McConaughey est dans mon VF, je vais prendre la centrale pour le coup. Mon colonel. Ta gueule. Normal, pas de son, parce que tout a été modifié. Bonjour tout le monde, bienvenue, merci Pilote, bienvenue à tous, merci chère communauté française, merci Belge, Suisse, Lorrain, Alsacien, Sud de la France, merci d'être présent, merci d'être fidèle, merci d'être là ce soir. Bon, ce soir, soirée normale, rien de spécial, Colonel Springfellow, Dédé toujours là, toujours dans la Sierra, pour l'instant rien ne bouge, vu les sous-effectifs. Salut Farest, moi ça va et vous, comment vous allez bien? Donc voilà, merci aux nouveaux followers de cet après-midi qui nous ont rejoints. Et les Bretons, ouais, excuse-moi, bonjour les Bretons. Donc voilà, bon allez, faites vibrer le chat, faites-vous plaisir, prenez du pied, partagez, followez, abonnez-vous sur YouTube, rejoignez-nous sur Discord pour les notifications en direct. Normalement ça devrait bien se passer, ou pas. Donc voilà, bon je tiens à vous préciser que ce soir c'est la Coupe du Monde. De Fortnite, donc il se peut qu'il ait quelques problèmes de flux vidéo, parce que comme il balance tout sur la Coupe du Monde, ben ça risque de déconner. Donc voilà,
Sinon, bah écoutez, bah, c'est sympa. C'est pas mal d'être là, moi j'ai envie de dire. Donc voilà, bon allez, amusez-vous, faites vibrer le chat, partagez, communiquez, échangez vos idées et profitez-en un max. Bon live à vous et bon jeu surtout pour ceux qui jouent en même temps. Allez, c'est parti. Putain, mais ça veut pas moi. Oh, tu m'appelles putain, tu peux ta putain. J'avais pas de bon, mon colonel. Tu peux ta putain, moi. Putain, ils se sont barrés ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allô? 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 Oui. Allô? Allô? Lucia? Oui, mon colonel. Lucia? Ouais, j'ai eu des problèmes de cerveau, mon colonel. Oula. Ah, tu me vois encore là-haut? Ouais. Ah, ouais, bah. En fait, tu dis retour en fait. Ah, et là, je fais. Non, hop là, je suis plus là. Mon oh putain, ouais. Bah, allez, bisous, hein. C'est parti, mon kiki. C'est parti, hein. C'est parti, mon bibi. Allez, bibi, c'est parti là. C'est parti. On retourne tout. Merde, j'ai pas pris mon snipe. Vous ah, manquez un truc non, moi j'ai un snipe dans mon. Ah, bah, nickel. Ah, il me manque mon téléphone. Je passe le mien au pire. Il me manque. Oh non. De toute façon, on va passer B1. Donc. Ouais. Oh non. Je suis fou. Oh, on va passer B1. Ça va dedans. Passer vite B. Oula, oula. Oh là là, est-ce que t'es le racaille là? Les clés du véhicule. Bon, ça va. Petit bibi, ça va ou quoi? Ça va, ça va. Il y a pas parqué personne, mais sinon ça va. Ah, c'est pas mal. Il y a nous, c'est déjà bien. Ah ouais, les meilleurs toujours. Exactement. Salut Adrien, comment ça va? Bienvenue, merci d'être là. Enfin, salut, salut, Firest. Alors, qui c'est que j'ai pas vu pilote, tiens. Salut pilote, ça fait longtemps. On sait qu'on t'a pas vu. T'as vu, ça fait longtemps. Hein. Putain, ouais, ça fait longtemps, mon petit bibi. Hein. Ça fait longtemps que t'étais pas là. Je peux pas avoir mon iPad et être concentré sur la route en même temps. Ah, ça c'est pas facile. C'est vrai que ça fait longtemps, mon petit bibi. Hein. Ça fait longtemps, mais puis ouais. Quand j'ai plus trop le temps, enfin, quand j'aurai le temps, c'est le truc. Fait que je vienne de 16h à 20h. Comme ça, après, je regarde quand on peut. PDS, bon, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de stream là, avec la Coupe du Monde de Fortnite. Là. Coupe du Monde de Fortnite, en fait. Ouais. Demande à Bibi, c'est. Je lui montre pas trop. Est-ce que Adrien te manque pas trop? Ah, Adrien. Ah, Adrien. La petite recrue. Ouais. Il s'est fait virer. Mais il a fait quoi il a fait quoi? Il s'est fait balancer par ses potes. Balancer par ses potes? Ouais. Il dit à Bibi qu'il va faire un accident. Je fais pas jamais d'accident. Déjà? S'arrêter faire le plein, ce serait good. BA aussi. Bon. Oh là là. Km/h, les enfoirés. Je vais donner un ordre.
Je un peu là. Je suis là. Ah bah oui. Yo Trunks, bienvenue, merci d'être là, comment ça va? C'est un fidèle lui. Ouais, Trunks un fidèle, ouais. Carrément. Trunks est toujours là lui. J'ai regardé une chaîne Arma cet après-midi, 634 personnes en train de regarder le stream. Oui. Arma. On va faire un petit arrêt BA tranquillement. Ça, donc je m'achète un téléphone, une connerie. Et voilà. Ok, à 22h à mon avis on va avoir du monde à tirer. Hein. Ouais. Ah oui. Salut Ivar. Lui en doc, là je crois qu'il a porté du drapeau. Non mais non, sûrement pas en doc non, je crois pas non. Voilà, c'est la question. Parce que on est pas. Non, alors les branleurs, on prend le soleil. Ah, salut. La pectorale solide. Ouais, pectorale solide. Allez hop hop hop, on bouge là. Salut Dédé. Ouais, c'est qui le mec que vous avez interpellé là? Un mec qui a volé une camionnette sur la place de Kavala qui a parti en délit de fuite. Un guignol. C'est ça. Là. Ok. Vous foutez ma gueule là ou quoi? Ah, mais moi ils sont en train de traiter un mec. On est en train de traiter un mec, on va partir. Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Je vais sortir mon Fennec. Il est dans un box là-bas. Et vous, ça vous empêche de partir ailleurs? Faut qu'on refasse les patrouilles. Bah ouais, bah. Est-ce que vous pouvez vous décaler? Et alors vous êtes quoi? Alors vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 divisé par 2, ça fait 3 x 2 plus 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Moi aussi, je suis râlé pour rien, les gars. Je vais avec du mal. C'est parti les amis. Ah ouais. Bah ouais. Il y a des problèmes hein. Alors
coup des dés, j'ai reçu quelques informations des collègues. Ah. Comme quoi il y a un nouveau gang qui s'est créé, qui s'appelait le réseau. Ah oui, oui. Ouais. Et du coup j'ai enregistré tout ça, machin. Et du coup ils essaient, parce que les collègues ils ont interpellé un individu, ils l'ont fait parler. Ouais. Et ils disaient que ils agissaient dans l'ombre, ils faisaient beaucoup de convois d'LSD, ils essayaient de contrôler, de gérer le LSD. Ouais. Du coup bah, j'ai noté tout ça comme, comme nouveau gang. Comme ça au cas où on croise... D'accord. De ce gang là. Pourquoi la sécurité pour civile elle rentre ? Remplir petit à petit. Là, c'est collé. C'est comme ça. Dédé, pour Whisky, il y a des consignes particulières pour la sécu ? Négatif. Pourquoi ils rentrent comme ça eux ? Ah, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe ? Ça commence à être un peu trop la fête du slip là-dedans, les gars. C'est les civils, l'armée, la sécurité civile et les avocats, ah ouais. Une vraie passoire. Ouais, apparemment, la sécu, c'est pour l'entretien du Strider. Entretien du Strider ? C'est besoin d'entretien, on sait pas faire l'entretien. Non ? Merci mon petit Trinx d'avoir un petit abonnement à Blubs. Merci à, pour elle, merci beaucoup mon ami. Merci à toi. On va faire, vu que Atira est clean. On va tourner ailleurs. Il y a une réunion à la BA ? À tous, du colonel. Allez, j'en écoute. Il y a une réunion à la BA ? Négatif de Cobra Lead, nous on a été chercher nos unités qui sont arrivées un petit peu en retard. Ah d'accord, je crois qu'il y avait une réunion, j'étais pas au courant. Et de Viper, on s'occupe d'un suspect. Ouais, bah Viper, vous êtes combien dessus ? Un ou deux ? Il me semble qu'il y a des notes de service, les gars. Et il me semble qu'il y a des gens qui se font virer pour moins que ça. Donc moi aussi, je peux mettre mon sucre dans le café, les gars. Donc on se bouge. Donc il y a un demi-binôme qui est en train de faire une garde à vue, et l'autre binôme, là, c'est le doc, là, il faut qu'il donne son Strider à la sécu. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas encore sortis. Donc ça fait 4. Donc il en reste encore sur un labeur pour rien. Les deux qui restent, ils sont en dehors, en patrouille, c'est moi. Allez, gaz. Gaz, on discute pas, gaz. Parce que quand tu ressors comme ça, t'as une paire de nichons. En fait, les premiers abonnés, ils ont le casque Spart, le ressub et les nichons. Et après, quand tu ressors, bah, t'as encore un autre. Hein ? Oh, des PDS, hein.
vrai que ça passe pas grand chose. Maintenant, j'ai une nouvelle technique. Je dors la journée, je farme tranquille le soir, enfin presque. Ah ouais, c'est ce que... Je crois que c'est ce que le réseau fait justement en fait. Ah ouais. Je farme tranquillement quand il y a aucun flic d'actif. Ouais, bah, comme tout le monde le fait en fait. Dommage. Je vois personnellement aucun intérêt. Bah, ils sont pas gaulés. Ouais, mais au bout d'un moment, tu te fais chier. Bah, nous, oui. Y'a aucun challenge. Non, mais même eux, y'a aucun challenge. Y'en a plus, hein. J'ai l'impression que Pierre Gosse aussi est clean. Hein. Ouais. Il y en a qui forment, hein, cette heure-là. Ah oui, il y en a toujours, hein, des petits filous. Qui font leur business. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr que ça a toujours été ça quand il n'y a rien à faire et quand il n'y a personne, les gens ils farment. C'est exactement ça, Seb. Ouais, je sais, ouais. Ouais, bah, c'est ce que je fais avec vous, je just chatting. Je just chatting pour vous. C'est vrai. On m'a dit, mais juste du judge setting. Bah, j'ai essayé, mais ça marche pas. Et là, j'ai mis du arma. C'est changé. Et lui. C'est Boris. Oui, ouais. J'ai changé. J'ai changé Yuri, j'ai mis. J'ai mis arma 3. Ce soir, c'est Boris, c'est ça. C'est la fête à la saucisse, hein? Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. Soirée disco, soir, chez toi ou quoi? Carrément. Bah oui. Tous les soirs, soirée disco. Moi, je crois. Je l'ai même, ce CD, ce vieux CD de musique. Là. Oh putain. Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. J'écoutais ça quand j'étais enfant, mon père, il mettait ça. C'est bien ça. Hein. Bon, mais y'a personne. Tant mieux. Tant mieux, non, on remarque. Ça veut dire que les malfrats se cachent. Ouais, mais c'est plus dur pour nous de trouver maintenant les méchants. Très bien. Après, tant mieux. The change. Exactement. Deux heures le rassemblement. Rassemblement de quoi? Ouais, c'est. Je me demande. Fais-moi une com à la centrale. Demande centrale pour moi. Centrale pour Sierra Lead. De Sierra Lead pour centrale. Je vais transmettre quoi? Bon, après, on. La LCO. Pour protéger la LCO, c'est ça que t'as dit? Ouais. Mais si elle répond pas à la centrale, c'est qu'il n'y en a pas. De protection de la LCO, s'il vous plaît.
au garage du terminal d'Atira. Une révision de vos véhicules vous est offerte. Vidange effectué ce soir même. C'est parfait ça. Aller voir quelques individus. Non, discute entre eux. Discute entre eux. Mais c'est vrai qu'il y a personne, hein. Je sais pas ce qui se passe cette semaine. C'était une soirée de semaine assez calme, je trouve. C'est vrai. À Camp Blob, sur moi. Oh mon dieu, une voiture! C'est vrai? Purée, c'est un miracle! Sérieux? Il y avait une voiture en excès de vitesse devant. J'essaie un truc. Des unités là, tiens. Cobra ça? Bah c'est là? Du coup ils m'ont dit niveau staff y'a aucun souci. Un camion? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. En rose un peu. Oula. Ah non, c'est légal, c'est légal. Force de voir ce type d'arme. Oh. Au milieu de la route, là. T'es pas monsieur bon. Bonjour. T'es au milieu de la route, là. T'es au milieu du carrefour, fiston, là? Ah ouais, désolé, désolé. Ah bah ouais, j'ai failli venir, j'ai failli t'emplâtrer, quoi. Ouais, merci, ouais. Merci. Véhicule en excès de vitesse. Ah, des fois, ouais. Ah, ça déconne un peu, le task. Salut, Matt. Merci d'être là, comment ça va? D'avoir un pistolet illégal. Ça c'est un véhicule en off-road.
Non, non, j'ai rien dit. C'est qui, ça va, l'ami? Ça va quoi? Ça va et toi? Ouais. Oh, toi aussi, tu viens faire ça? Ah, ouais, j'ai pas le choix. Tu viens récolter un petit peu là? Putain, c'est la merde. Hein. C'est trop long, ça me rend fou, putain. Ah, ouais. Bah, ouais. Y'a pas le choix, des fois. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est chiant en plus. Hein. J'ai envie de choper un macro pour que ça aille plus vite, mais ça marche pas. J'arrive pas à trouver. Quoi? Un macro pour que ça aille plus vite. Ah, ouais? Ça... Tu sais choper du poisson, toi? Oh putain. Tout ça pour choper des pêches, quoi. Mais t'as c'est un clown, ton pote ou quoi là? Oh, bah, oui, c'est un clown. École du cirque, c'est ça? Ah. Mais elle était fermée en fait. Ah, ouais, d'accord. Échec social, quoi. Bah, ouais, complètement. Bon, et toi, ça va? Tu fais que ça, toi? T'es fou, toi? Non, je vais faire du diamant, mais j'ai pas assez de thunes pour me payer la licence. Là. Ah, ouais. Voilà. T'as acheté le camion avant de t'acheter? Bah, le camion, on me l'a vendu pour 1000$. Ouais. Je suis arrivé tout à l'heure, là. Il y a même pas 5 heures. D'accord. Ah, t'es un nouveau, quoi. Ouais. Ok. Bon, bon, c'est bien, fiston. Bah, allez! Ouais. Bon, moi j'ai mes pêches pour tout à l'heure. Allez, c'est bon. C'est pas juste. Moi, bah, moi, c'est pareil. Salut! Hop. Allez, à plus, bon allez, courage! Ciao! Ouais. Les mecs, ils sont courageux quand même. Ah, du coup, c'est. Ah, bah, on va aller leur parler. On va leur demander une petite révision. C'est un équipeur de. Ah, ouais, ok, ok. Je les sens chaud. Ouais, ça va là. Si tu veux, Bruno. Ouais, je suis bien quoi les racailles. Vas-y, qu'est-ce que. Ça va, Marlène, tranquille ou pas? Pas mal la gamos là, pas mal la gamos. Ouais, je sais, t'as vu. J'ai toujours en mobile. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête tes conneries là. Vas-y, t'as balancé ma bagnole ou quoi là? T'as niqué ma caisse là, bâtard là? T'as niqué ma bagnole ou quoi? Bah ouais, tranquille et tout. Vas-y, t'es laquelle t'es si toi? T'es laquelle t'es du 4 squat là? Ah, moi c'est de la banane moi. Ah ouais, d'accord. Ouais, bonne banane. Ce soir, il y a un barbecue ici si vous voulez venir. Ah ouais, sérieux? Ouais. De clash, bah, ok, nickel. Moi je te le dis, la prochaine fois que tu leur balances des trucs sur ma bagnole, je te nique ta race toi. T'as compris ou quoi? T'as compris? La prochaine fois que tu touches ma bagnole, je te nique ta race toi. T'as compris ou quoi? C'est nous on va te niquer. Voilà. Ouais, tu sais quoi? Va t'acheter un pantalon, on revient après. Ok? Voilà, allez, à tout à l'heure. Et je te jure sur la tête de ma mère, si t'es tout seul dans ta veste, t'es tout seul dans ta veste là ou quoi? Oh non, j'ai mes couilles aussi. Ah bah voilà, ça se voit. Bah ça se voit qu'il y a de la place mec. Bah là on se casse nous parce qu'on reste pas avec des racailles là. Ouais, bah tu vois le barbecue, je vais vous niquer, moi. Oh là, on a pas peur, frère. Ah bah, ça tombe bien, tu vas avoir peur quand je reviens. Oh là, on a pas peur. Oula, je te jure, oula, je vais te niquer, toi. Ils sont marrants, eux. Ah, j'ai peur. Je kiffe grave. Je l'ai kiffé. Putain, elle m'a balancé le truc devant moi là. Sur le pare-brise, ah tu vois aussi. Putain. Bah, mais partout. Mais oui, il a foutu partout. Ça s'enlève pas ça? Mais non. Oh putain. Ah purée, ça casse les couilles. Un mec troll avec des herses dans le virage. Oh putain. C'est marrant. Le virage dangereux. Je vais tomber dessus là. Ça va être cool. Allez, vas-y, va dans le virage dangereux là. On va régler ça. C'est quoi dans le virage dangereux? J'ai pas vu. Non, non, c'est un message. Un message de du tribunal en direct. Un mec troll avec des herses dans les virages dangereux. Oula. Pas ouf ça. Un camion plein de cannabis. Oh. Plein de cannabis. C'est où ça? Un camion plein de cannabis et R6GMK noir retourne vers le propre. Coordonnées. Non mais si c'est vers repère c'est bon, non? Retourne vers repère c'est bon. On va foncer vers repère, on va checker tout ça. Punaise en première c'est pas ouf.
130 en première, je te le dis. Centrale pour tous, s'il y aurait une équipe qui serait possible d'aller en direction du repère de gang, un camion rempli de... Affirmatif de Sierra Lead. Centrale. Putain, il me l'a foutu partout de sa merde en fait. Purée, effectivement, c'est dégueulasse. Pourquoi tu t'excuses auprès de tous les wachwachs de France ? Pour éviter qu'on était plantes au cul. Hein ? Avec ton accent, pour éviter qu'on était plantes au cul. Comme je le fais quand tu prends l'accent portugais et à chaque fois tu me dis. Quand tu prends l'accent portugais, moi, c'est comme ça, je peux parler aussi. Hein ? Rien. Hein. Tu l'as là ? Centrale de Sierra Leone. Ouais, centrale de Sierra Leone. Centrale. RAS repère. RAS repère de Sierra Leone. 114-149. Elle dit leur qu'on a en 114-149 le camion. La rectification du coup de Sierra Leone, il y a en 114-149 le camion de cannabis. Centrale, bien pris, Viper, dès qu'on aura fini notre action, 14, on arrivera sur vous pour vous aider à taper. Oh bah le mec, tu putain, il fallait même pas 14, combien? Merde. 149. 149. Il est en dessous. Je l'ai. Ouais, pas mal. Allez, on y va. Go, let's go. Alors attends, arrête-toi là. Ok. Attends, on va se téléporter. Excuse-moi. Hein ? On va se téléporter ? Ouais, je regardais où on est où ? On est ici. Non, bouge pas, tu restes dans la voiture. Je bouge pas. Bane. Salut. Ouais, mais à part qu'il y a un individu bloqué ici, quoi. Ouais, c'est bon, je vais régler le problème. Il a laissé son hélico ici. Voilà, c'est bon. Merci. Georges. De rien. J'ai une question. Ouais. Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut crocheter et le décaler ou... Non, tu nous appelles directement. Ok, c'est bon. Ok. Merci. A plus, bon jeu. Georges Moulin, au cas où. Laissez son hélico. Ouais, c'est parti. Dame, ouais. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent. Énorme. Ah, du coup, il y a des unités sur l'appel ou... Hein ? Ah ouais, il y a des unités en place. On va pas trop se cramer, peut-être. Ou peut-être, ouais. nous, on va y aller. Nous, on va ramasser, nous. On va ramasser. Hop là. L'hélicoptère, ça marche là. Ok. Juste mon petit chapeau. On doit faire le beau gosse. Il y a aucun camion. C'est où le camion ? Hein ? Non, il doit être sur les unités. Oh, il est sur les unités, ok. Ok. Ah, c'est lui. Ah, c'est bon. Gérer, c'est contrôlé. C'est parfait. Oh, les vassaux Zaro, c'est tout ça. Poliaco. Quoi qui va Poliaco, par contre ? Notification pour les cours. Ah, j'ai envoyé un message. Dans un hélicoptère. La RS6. Il avait dit une RS6 aussi. Donc, la RS6. Nous, on va chasser la RS6. Qui m'aura répondu. Il a dit direction pour Liaco, mais après.
été direction BA. Quoi? Direction BA. BA était dessus avant. Et dessus. Viper pour Sierra. À l'écoute de Sierra. Information sur le véhicule. Le camion a été interpellé de Sierra. Bien pris. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas touché de paye là? Oh là, je compte plus. Hein. Non, non. Pas me faire le coup à chaque fois, les gars. Non, en vrai. Semaine dernière, je crois. Hein. Je ne compte pas. La dernière fois. Il n'y a pas un truc à marquer. Je t'avoue, les payes, je m'en occupe pas trop. Après, c'est pas Whisky de nous faire la paye? Si, si. Moi, je me paye pas déjà moi-même, alors. Si j'ai encore, vous payez-vous. Moi, j'ai pas gagné grand-chose depuis que je suis en police. Bah, pour le moment, moi, j'ai plus perdu. Ouais. Et c'est normal, j'ai fait d'achat de véhicules quand je suis rentré, etc. etc. donc. Normal. Hop là, devenu une Tesla. Oh là, c'était vraiment pourri ça. C'était moche, putain. Ah ouais. J'ai voulu rester en Tesla, mais ça n'a pas bien marché. J'ai envoyé un message. Il y a des mecs qui s'amusent à troll dans... Encore. Je reviens. Enfin, tu me dis, tu cries quand il se passe un truc. Ça marche. Les autres unités là. Oui. Il m'a dit un camion. Ok, alors j'ai les coordonnées de. Ça du tout. J'ai coordonné d'un camion. 12. 22. Ah, on va aller checker nous tranquillement. Ouais. Oh là là les gars, terrible. Ouais. Ça va le chat? Comment ça se passe, le chatos?
si tout le monde va bien. Cyralide, on va checker le camion de tabac d'un de nos informateurs. Central, bien fait. J'ai eu le résumé des streams du mois de mai. Impressionnant. Vous avez été énorme. Et un VL à proximité. Franchement, vous avez été énorme. Central, vous pensez avoir besoin de renfort ou ça vous suffirait? De renfort à proximité possible, mais après, de toute façon, on va repérer d'abord la zone pour voir si les informations sont justes. Monsieur. Vous avez été énorme, les gars, parce que et je vais faire un petit live matinal là où je vais vous montrer le résumé du stream du mois de mai. Vous avez permis, grâce à vous, 300 euros de dons. Ouais, 6500 bits envoyés, ça, c'est beau. 10 000 vues sur la chaîne, ouais. Et on a augmenté de 357 follow, wow. Et on est monté jusqu'à 40 abonnés en même temps. Et bah franchement les gars, respect. C'est beau, hein. C'est beau. Rien que pour le mois de mai, quoi. Vous êtes énorme. Vous êtes énorme, franchement. Ah ouais. Bah ouais. Les 300 euros de dons, bah, ils ont permis le stream deck, le siège. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les emojis payants que j'ai rajoutés. Et que des cons. Que des cons. Franchement, top, hein. Top, top, top. Punter même. Ça va être difficile de faire mieux au mois de juin. On est monté de 10 viewers en moyenne à 25 en moyenne, hein, par stream. Ouais, 25. Oh là là. 25 de moyenne par stream, c'est énorme. Franchement, la voix du partenaire, on va l'avoir, hein, la force. Hein. Pas tout de suite, hein, mais on va y arriver. Hein. Là, regardez, actuellement on est 38 abonnés. Ce qui est énorme, 38 abonnés. On est à 48 euros dans la caisse pour le chroma. Et on est à, je sais plus combien de bits, je crois. 1200 bits, je crois. Et on est le. Je sais même pas le combien on est. Là. On est le 9 juin. Donc félicitations à vous tous, quoi. C'est grâce à la team Lapinou. Hein. Oh putain. Je peux faire que ça. Alors, mon camion est buggy. Pourriez-vous m'aider SVP 62 162. On arrive à plante de tabac. Il y a, d'après Logia. Il y a deux packs armés. Un V. Je vais relire le message. Deux packs, ouais, armés. Avec un camion orange bière et un Mercedes. Intel. Ah, d'ici on peut bien voir, regarde. T'as mis un point sur le cas ? C'est fait, c'est fait. Alors je vois pas qu'ils sont armés là. Je vois pas armé, mais... De Viper League pour toutes les unités au niveau de Sharkia, nous avons 3 packs armés sur position Viper. Demande d'assistance. Et il y aurait quoi là-bas? Il m'a dit vous êtes... pas les dernières. Salut Raph, comment tu vas? Bienvenue à toi. Merci d'être présent. Voilà, ils ont eu peur. Ah ouais, avec cause des hélicos. De Delta, on arrive sur position. Bah, il parle de Cyralide. Ah, mets-toi en longue. Allez, on va les choper. On va les choper. Vas-y, let's go. Ouais. À toutes les unités de Cyralide. Ah merde, pardon. Ah non, merde. À toutes les unités de Cyralide.
Allez, 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 monte, 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 monte. Je les appelle. Ah, en long, quoi. Ils nous ont donné les points de ça, ce qu'il y avait là. Ouais, ouais. Toutes les unités de Sierra Leone. Entendu en langue? Ah, je sais pas, peut-être. Après, ils sont partis direction Zaros. Sierra Leone pour Centrale. Centrale, là. Putain, ils sont de ma gueule ou quoi? On va intercepter du coup. Ah, arrête le sprinter direct. Le sprinter d'abord? Non, non, le camion d'abord. À tous de Cyralid. Oh putain. Y'a personne à côté de nous, Dédé, il répond pas en langue. On met les gyros ou on les. Non. Attends, le cerf. Faut de ma gueule ou quoi là? Appelle-moi ça en langue là. Urgent là. De Sierra pour Centrale, urgent. Il serait possible de détacher une équipe pour Vector. On a deux véhicules en fuite avec armée à bord, une petite véhicule bleue. Du coup, on les arrête ou pas? Attends. Suivez pour l'instant. Ok. De Sierra pour Centrale, urgent. Donc pour Sierra, on vous entend. Vous quoi? On nous entend pas. Et on est également engagé sur des packs de notre côté. De Vapeur Lee. Bien pris de Sierra. Ça nous entend. Ouais, arrête-le. On va le faire nous-mêmes. Ouais, oui. C'est de la merde. Bon allez, on est top. Non, on va klaxon. Je mets pas les gyros. Arrête-toi l'ami, arrête-toi. Allez, sors ton véhicule maintenant. Sors de ta voiture. Ouais. C'est quoi que t'as dans la bagnole là? Que t'es dans le véhicule là. L'ami, je t'entends pas par contre. Tous, oui, le véhicule se dirige vers Pierre Boss, la présidente de direction. C'est du tabac. Ah bah voilà. Oui. Il est où ton pote avec le sprinter hein? Je le connais pas, mais il est parti. Je sais pas par quelle route il est parti, mais. Comment ça, tu le connais pas? Vous êtes ensemble sur le champ de tabac, vous discutez ensemble et vous connaissez pas? Je le connais pas, écoutez, je sais pas d'où il vient, moi. Bon, allez. Et vous faites quoi? Vous êtes qui, messieurs? Ouais, qu'est-ce que ça peut faire? Je vois pas qu'on est en. Si j'ai affaire à la police ou si j'ai affaire à. À quoi? Bah, j'en sais rien, moi. C'est juste ça le truc, justement ça le truc. Pose-moi ta radio par terre. Hein. Ma radio, oui, pas de soucis. Et après, j'ai ça, je sais pas. Non, mais ça, je m'en fous. Je le connais pas, le sprinter. Tu me reçois ou pas? C'est petit, c'est. T'étais avec qui au champ? Tu me reçois ou pas? T'étais avec qui là au champ de tabac, je te parle. Oh, il arrive le sprinter. Je sais pas qui c'est, je sais pas. Le sprinter, il arrive. Tu m'en sors ou pas? Et vous pouvez nous dire qui vous êtes s'il vous plaît ou ça vous dérange? Bonjour monsieur. Bonjour. Tiens, tu vas descendre? Ouais, bonne réussite. Bon. Voilà. C'est quoi que t'as dans ton camion toi aussi? Comment? Attendez. T'as quoi dans ton camion? Tabac. Bon, félicitations. Alors, mets-toi à côté de ton pote là-bas. Je sais même pas ce que je suis. Non. Mais vous êtes qui? Où c'est d'accord? Ouais, c'est bon, t'as compris? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Voilà, allez, police, main sur la tête. Vous êtes en arrêté à l'arrestation. Je le savais très bien par rapport bon, à... Bon, bah voilà. Je veux bien m'éclairer sur le muscle qu'il faut utiliser. Alors, Shift L.
Shift L. Voilà, parfait. Allez, on va vous menoter pour raison de sécurité. Ouais. Les idées là, comment c'est ce que ça fait ? Hop. A tous de Sierra. Non, mais on s'en fout de ce que tu savais. Bon, vous avez pas joué comme ça. Oh, tu vas te détendre, d'accord ? Là, bah, t'es pas. Non, oh, oh, tu vas te détendre. Pour l'instant, je t'ai pas demandé, je t'ai pas posé de questions. Vous n'avez pas à me parler comme ça, pensez tout. Non, mais toi. Ouais, s'il te plaît. C'est sûr qu'on est des criminels très dangereux, on est armés, on a tous. Bah ouais, vous faites de la drogue, c'est normal. Vous faites des produits stupéfiants, monsieur. C'est stupéfiant, monsieur, c'est pareil. Vous êtes en train de vendre de la Soloprix dans les écoles où ce sont mes enfants. Si vous pouvez nous envoyer deux unités pour récupérer un camion et un sprinter pour aller vers la. Il est ouvert ton camion ou pas? Quoi? Il est ouvert ton camion ou pas? Ah, je comprends. Attendez, j'entends rien avec le contre. Ah, ça va, grave, c'est pas grave. Là, tu vas me donner les clés du camion, s'il te plaît. Ça. Merci. Tu as remis les mains sur la tête? Ouais. Merci. Par contre, okay, si vous livrez au mec qui nous a mis sur ce chemin-là. Hein. Ah bah je viens. Il faut voir avec le mec, faut voir le mec derrière moi parce que j'ai vu le joueur en mettant des hélico, il nous a pris, il nous a fait que vous allez faire ça et ça pour nous. Ouais, t'inquiète. Pas de problème. C'est normal que je sois dans le camion. Ouais, c'est normal. Je sais pas qu'il y a une arme dans le véhicule. Le camion me l'a prêté, c'est bien. Alors, c'est quoi votre nom, monsieur? En fait, je vais vous expliquer. Ça vous dérange? Je vous explique. Je vous donne ma carte. Ah non, mais j'ai compris. Il y a quelqu'un qui vous a demandé de faire ça. Non, en gros, on faisait de l'or. Il y a un mec qui est venu me voir en hélico. Il m'a dit j'ai un travail mieux à te proposer. Ça pouvait la planète ou je sais pas trop quoi. Ouais. Un mec qui parlait en se disant moi être je sais pas quoi, comme un Jar Jar dans Star Wars. Et en gros, du coup, j'ai dit bah ouais, si ça vous dérange pas, je veux bien, ouais. Et moi, je savais même pas que c'était illégal en fait. C'est que je m'en suis rendu compte quand vous m'avez arrêté, du coup. Ouais. Et en gros, il m'a donné 200 000 $ que j'ai sur moi pour qu'on achète la licence. Ouais. Il m'a donné les points pour récolter, traiter et revendre. Ouais. Et après, ben, c'est tout. Il m'a donné aucune autre info. Il m'a donné son véhicule. Je savais même pas qu'il y avait une arme dedans. D'accord. Et il t'a donné rendez-vous après? Il m'a pas donné rendez-vous. Il m'a demandé de le recontacter. Mais en fait, le truc, c'est que. Donc, t'as son numéro de téléphone? Non, j'ai pas son numéro de téléphone. Justement, j'ai téléphone. J'ai que cette merde par terre là. Ouais, mais si t'as pas. Par terre, mais... Bah ouais, mais si t'as pas de danse. Il m'a dit de le recontacter par la radio TS, mais ça m'étonnerait qu'on ait vraiment le droit. Ah non, pas trop. Là. Pas trop. Bon, vas-y, t'as pris les clés ou pas, Bibi? Non, il a pas les clés. Vas-y, prends les clés. Prends les clés. T'en bouges pas trop, s'il te plaît, que je t'enlève les menottes. Ça va être compliqué. Tu peux t'asseoir au camion. Normalement, tu peux. Je donne aux deux parce que je sais pas, tac. Du coup, je précise, c'est quand même pas le mien. C'est celui au mec, je sais pas. Oh oui, je crois que ça s'appelle Otto quelque chose. Par contre, je sais plus son prénom. La plaque, elle est enregistrée à Otto. Auto, ouais. Auto... C'est ça, Otto. Auto Cannibal ou je sais pas quoi. Auto Kanda, non, je sais pas. Auto Comeback. Comeback. Allez, Martine, tu peux me passer le véhicule fichier, ouais. Mais du coup, le tabac, c'est illégal. Auto Comeback. Et lui, il t'a demandé de le contacter par TS, c'est ça? Ouais, ouais. Non, c'est illégal. Okay. Ouais, c'est illégal, monsieur. Non, t'inquiète, ça va bien se passer, Daft Punk. T'inquiète, Clément, si on coopère, ça va bien se passer, y'a pas de raison. Mais exactement. Bon, allez, vous allez être monotés. À tous de Sierra. Parce qu'il y a une unité dans Sierra qui m'entend, là. Putain. C'est des amendes, messieurs? Bon, c'est pas grave. Bon, écoute, mon petit co-boss, c'est ça qui s'appelle? Comment tu t'appelles, toi? Moi, je m'appelle Bob Cosmos. Bon, Cosmos, tu vas rentrer dans le camion, tu vas nous suivre, ok? Tu vas reconduire ton camion et tu vas suivre mon collègue. Si tu nous entourloupes, c'est ce qui te reste d'attendre. Oui, non, mais je vais pas vous entourlouper, pas pourquoi je ferais ça. Je sais pas, moi je dis bien. Pourquoi vous me parlez pas, mais... Bah si, je te parle, regarde. Tu t'appelles comment, toi? Clémence Berk. Ah, c'est mignon, ça. Ah, merci. Non, c'est allemand. Ah oui, quand même. Voilà. Entre allemand et alsacien, ça dépend des contrôles. Ah, oh, c'est pas mal ça. Et t'es alsacien de où? Du Bas-Rhin, dans le 67. Ah, où ça? Artelsheim, à côté de Célesta. Ah! Vous connaissez le département? Bah, je connais bien. Vous êtes du coin? Bah, j'ai beaucoup vécu au nord du Bas-Rhin en fait. Nord du Bas-Rhin. Voilà, entre Haguenau et Strasbourg.
Ah ouais, effectivement, c'est vraiment pas loin. Ouais, non, c'est pas loin. Ouais, c'est à 30 minutes de chez moi. C'est ça. Ouais, c'est vraiment. Donc, je connais bien. Le monde est petit, effectivement. C'est un bon. Moi, j'aime bien ce département. Bon, pourquoi. Pourquoi tu fais du tabac comme ça? Bah, je sais pas, moi, j'ai suivi le gars là. Bob, tu... et il m'a dit, on nous a pas précisé que c'était illégal ou quoi en fait, on nous a dit qu'il y avait du tabac et vous allez vous là. Vous avez fait du tabac, vous avez rempli le camion et... Et voilà quoi, il nous a dit, vous faites ça, vous faites ça, et nous le recontacter après quoi. Transmet. Non, rien, c'était juste pour test. Bah ouais, alors les gars, la façon la plus simple de vous enrichir, c'est de faire du légal. Illégal, c'est trop cher. Bah, en fait, moi j'étais parti pour faire de l'or aussi, mais bon, bah, on m'a annoncé des plans comme ça, je me suis dit, ah, oh, bon, c'est pas bien. Ah, mais y a moyen, c'est mais après, en fait, soit tu te fais carotter 50% de ta cargaison par les mecs qui t'ont proposé de travailler, soit ils te prennent la moitié, soit ils te prennent 25 s'ils sont sympas, et soit ils vont te buter, ils te prennent la totalité. Donc, en fait, t'as rien gagné en fait. Bah je savais pas, vous voyez, je connaissais pas du tout, en fait, on est totalement nouveau et on nous a dit ouais, vous allez faire de l'argent, faites confiance. On fonce. Nouveau métier, nouvelle vie, mais bon, je pensais pas que c'était illégal. Bah c'est tout ce qui est rouge, c'est illégal. Si t'as pas les points, c'est que c'est illégal. Ah d'accord, ok, c'est pour ça. Ok, d'accord. Bah maintenant je veux ça. Bah voilà. On allait plus gagnant à faire du légal que de l'illégal. Et on risque quelque chose de grave. Voilà, vous risquez d'aller en prison quand même. Ah, carrément. Ah, ouais, hein. Avoir un casier judiciaire et pas pouvoir rentrer dans la police. Hein. Donc la prison alors. Et ouais. C'est quand même dommage pour des gens comme vous. J'aurais bien aimé qu'ils me mettent au courant, quoi. Pas le mec qui nous a vendu, quoi. Qui nous a dit, ouais, faites ça, genre, c'est sans risque. Bah, il était un peu mitonné en fait. Bah, on s'est bien fait arnaquer. Hein. C'est ça. C'est exactement ça. Seulement si vous retrouvez ce mec, si vous pouvez bien le faire manger comme il faut, ça m'arrangerait. T'inquiète. Même s'il faut que je fasse la prison. Hein, mais bon. C'est pour ça que j'ai préféré m'arrêter. Je me suis dit, je vais éviter de faire des bêtises. Quoi, ça se trouve, c'est pas. Ça arrive, mon petit père. Ah, c'est la vie, hein. J'aurais su, je l'aurais pas fait. Hein. Ah, il est pas pris. C'est pas faux. Et à mon avis, c'était vous aussi l'hélicoptère qui était au-dessus de nous, je pense. Non, enfin, c'était les. C'était la prison. La pénitentiaire. Ah, ok, lui, il était déjà chaud. Ah, là. Et vous pensez pouvoir retrouver le mec qui nous a totalement fait une coup de pute, hein, on peut le dire, hein, avec ce nom. Je vais prendre le nom et je vais regarder, t'inquiète. Ça marche. Bon, celui-là, c'est le mien, hein, donc il a mon nom, donc vous pouvez faire ce que vous en voulez. C'est quand même P20 qui a son au nom du gars, je pense. Donc fallait le recontacter par TS, hein, c'est ça, hein. Ouais, il a dit clairement par TS, donc je sais pas ce que c'est. Mais... Radio, il a dit une radio magique. Radio magique interdite en fait. C'est interdit ça, c'est ce que je me disais. Sinon ça ouais, mais oui, je vois pas pourquoi c'est interdit. Sinon il n'y aurait pas de Tokyo qui en monte en fait. Ouais, le. Ouais. Bah il nous a clairement dit Radio TS, quoi. Ça, je vous garantis à 100%. Mais... Ça il parle pas pour ses pays. Alors, c'est bien fait à voir, ça c'est chiant. Nous avons un Hummingbird qui nous spotte pendant un contrôle dans suspect. Sur Paros ? Pour rentrer dans la police, en fait, il y a une formation. Affirmation. Ouais, il y a une formation, il y a des tests et tout ça. Hein. C'est bien, prends de la. Ok, et le recrutement, ça se passe comment ? Bah, tout se passe sur le forum en fait. Il y a des appels au recrutement, ouais. C'est son recrutement, faut passer les tests. Avoir un casier judiciaire vide. Ah, ouais. Et comment on peut faire pour avoir un casier propre? Il faut faire la demande au ministre. Au ministre? D'accord. Ouais. Ministre de la Justice. Ok. Moi je me renseigne comme ça, je sais.
Il y a d'autres trucs illégaux, enfin illégaux, vous me le dites, hein, parce que j'ai pas envie de me refaire. En soi, je me doute que la drogue, ça c'est sûr, c'est pas du tout illégal. Donc vous étiez déjà habillé comme ça tout à l'heure ou pas? Ça c'est un truc que j'ai acheté au magasin de chasse. D'accord. Parce que tu veux faire? Non, non, je... c'est que tu vas me les donner en fait. Ah! Vraiment? Et moi, je vais te filer les miens. Ouais. T'es obligé ça par contre? Ouais. Ah, okay. C'est parce que je vais les utiliser pour les arrêter en fait. Tu vas me rendre un dernier petit service. Pas de soucis, si je peux vous aider, je vous aide à fond. Voilà, exactement. Tu vas envoyer un petit message à ton copain là. Quand je te le dirai. J'ai pas de téléphone donc. C'est mon collègue qui va le contacter? C'est mon collègue à mon avis qui peut le contacter, je pense. Okay. Je reste, hein, je bouge pas. Hein. Oh, si y a Viper Lead, Cobra Lead d'aider. T'as des binômes disponibles pour une opération? On est en train de traiter les packs, c'est tout de suite après on est disponible. Ça marche. Ouais, ouais, on se prépare pour l'heure. Merci. Toi, t'es pas méchant. On traite les deux individus. C'est plus de me récupérer BA, je me suis endormi au volant. On arrive avec un pack. Allez, dépose pour. Attends. Quand je vais te dire, tu déposes ta tenue, Ouais. Et tu vas prendre la mienne. Ouais. Oula, c'est quoi tout ça? Non, t'inquiète, c'est à moi. Ah ok, donc c'est F, tac. Voilà, hop. Alors attends. C'est pas. F, Audi, votre tenue? Attends, c'est le truc avec le rose, ouais. F, Audi, ouais. Ok. A new follower. Salut Juve, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne. Tu peux aussi nous rejoindre sur Discord pour avoir les notifications directes de mes lives et de mes vidéos. Donc, voilà. Merci à toi et bienvenue. C'est bon, tu m'entends là? Vous avez essayé de les choper alors? J'aimerais trop être là pour voir ça. Bibi de Dédé. À l'écoute de Bibi. Tu vas filer ta tenue au mec et tu vas prendre la sienne. On va prendre le camion et on va aller au champ de tabac. On va lui demander d'envoyer un message à auto machin là. Et on va l'interpeller. Les gars, j'avais peut-être une idée. Donc, on aille à l'acheteur. On demande l'acheteur. On demande où il est. Et on. Lui, pour vous dire le moindre risque, nous on aurait pu limite y aller. Et vous, en fait, vous nous suivez en couverture quelque part. C'est ce qui va se passer en fait. Ouais, donc on va y aller avec vous et vous serez en croquette. C'est ça. Et on va vous. Et je vais pas te faire un casier judiciaire du coup. Avec... Ça te va? Ça me va 100%. Bibi, tu m'entends? Affirmatif. Vous êtes disponible? Affirmatif de Bibi. Vous êtes. Ouais, qu'est-ce que tu veux, Mike? Moi je prends un stunt. Qu'est-ce que tu veux, Mikey? Qu'est-ce que tu veux, Mikey? Vous m'entendez pas? Mikey? Oui? Tu m'entends? Ouais, vous m'entendez pas? Si, ça y est. Ah, on a le bonhomme là-bas, on l'a interpellé, il a pas de casier et il dit qu'il peut être très bavard, ça vous intéresse ou pas? Bah, tu fais causer et après tu vois ce que tu as, ce que t'en tires. C'est reçu. Ok? C'est reçu. Ouais. Ouais. Tu veux pas qu'on leur demande où se trouve l'acheteur, comme ça on. Si, on va les envoyer là-bas, nous. Qui c'est? C'est mon collègue qui avait le camion, qui c'est? Tiens, reprends ta tenue là. Ouais. Du coup, je lui prends sa tenue, on est bien d'accord, j'ai changé. Non, non, c'est eux qui vont prendre leur tenue, on va laisser leur tenue. Ok. Et nous, on va s'habiller pareil qu'eux ou. Hein? Non, non, nous, on va faire. On va faire méchant. J'étais pas là en tout, mais apparemment. T'inquiète. C'est pareil, hier, on s'est fait traverser, pour moi, j'étais pas là, tu vois. Et du coup, ils vont réitérer la même chose là, apparemment, là, à 22h. T'étais en radio avec ton pote ou quoi? Oh bah moi pour Non mais moi je sais pas du tout comment ça marche en fait, c'est lui qui connaît tout. Oh bah moi pour Dédé. Le bonhomme dit qu'il a des numéros de téléphone de trafiquants de drogue. Ouais. Ah bah parfait. Ouais, prenez les numéros. T'es où toi? Cosmos, bah détache-le.
Attends. Remets les mains, mettez les mains sur la tête, les gars. On va voir mon outil pour voir ce que vous avez sur vous. C'est juste ça, la sécurité. Tu veux que j'enlève le tabac qu'il y a sur lui? Ah ouais, t'enlèves tout. Ouais, enlevez tout. Non, bougez pas, monsieur. Peut-être la nourriture, si on peut regarder. Non, mais la nourriture, vous allez la garder. Tiens, ton casque de moto. Alors, moi, je vais te proposer un petit truc. Mon petit cosmos. Vas-y. Tu peux pas ramasser? Je pense pas. Tu peux? Cosmos, je vais te proposer un petit truc. Tu m'as envoyé un petit message sur le satellite qui est interdit, d'accord, à ton petit copain. Quand je te le dirai, tu vas leur dire que tu es arrivé sur le point du traitement, c'est ça? Ouais, le point du traitement, il est au-dessus de Cargos. Parle moins fort, on t'entend. Il y a des packs. Merci. Et du coup, Et du coup, le point de rendez-vous, c'était où? Je sais pas, c'est lui qui connaît, c'est moi. T'es où ton point de rendez-vous, Cosmos? Où ton point de rendez-vous? On a pas donné de point de rendez-vous. T'as dit, mais il a dit de le recontacter une fois qu'on a vendu. En gros, quand on a vendu, il voulait qu'on l'appelle. Ah, une fois que tu sais vendu, il faut l'acheter. C'est ça, donc à l'acheter, une fois qu'on sera l'acheteur. Excusez-moi, mais si jamais c'est passé au pire, faut dire qu'on a besoin d'une extraction parce qu'on a plus de véhicule et il viendra, c'est obligé. Ouais, et bah écoute, on va faire comme ça. Whisky, délai. Moi j'essaie de me sauver parce que. Il me faut du monde. Ouais, on va lancer une opération, on va choper des trafiquants. Ouais. Donc, du coup, là j'ai deux mecs qui ont travaillé, qui ont été chopés à la mine d'or ou je sais pas où là, pour faire du tabac. D'accord. Et le mec il devait les contacter sur TS. Pour reprendre sa part. De quoi? Ouais, t'as très bien compris. Donc du coup là, on va monter une opération, on va le choper. Il va envoyer ce petit message sur TS et on va le choper. D'accord. Voilà, ok. Donc rendez-vous où? Donc je te laisse poser un transporteur sur le camion là et sur le Mercedes là, et moi aussi. Ça, on l'aura tous les deux. Mercedes. Bibi. Okay. Bibi. Affirmatif. Cherche des traceurs GPS et fixant un dans sur chaque camion, je te donne de la thune. Ouais. Dédé. Ça vous intéresse le numéro de téléphone de trafiquant de drogue? Ouais, tu les prends, ouais. Ok, c'est bon. Ça serait grave. Pas de soucis. Ok, on va faire comme ça, mon petit Cosmos. Tu vas leur envoyer un message. En fait, je sais pas, j'ai cherché et j'ai pas trouvé son. J'ai pas trouvé. Au début, j'ai cru qu'on allait se faire braquer. En fait, l'hélico qui était au-dessus de nous, on a cru qu'on allait se faire braquer. Du coup, j'allais lui envoyer un message, mais j'ai pas trouvé. Bah, il a radio. Ah, bah, au pire, faut faire le truc illégal. Hein. C'est ce qu'il a dit. Ouais, bah, voilà, mais je l'ai le truc illégal. Il est là. Il s'appelle. Auto, come back. Auto. C'est vers le haut ou vers le bas? C'est vers le milieu. C'est en ordre alphabétique. Ah ok, ah auto. Ok. Oui, je lui dis quoi? Attends, quand je te le dis, tu vas lui dire, c'est bon, j'ai vendu le cigare. Je suis... Par le message, hein. Ouais, je suis... à Telos, à l'armerie. Les cigarettes, c'est ça? Ouais, j'ai vendu les cigarettes, je suis avec les camions à Telos. Avec... À l'armerie civile. Les camions... À Telos, comment ça s'appelle? T-E-L-O-S. Avec les camions. Avec les camions. Voilà. Dès que je te dis top, t'envoies le message. C'est bon, tu peux te préparer autour de Telos? Discrètement. Je donne le top au mec dans 5 minutes. Hein. Ok, on est canal 3, d'accord? Okay. Passez canal 1. On est d'accord que nous on s'allonge. A tous les cobras du colonel, passage canal 1. Bah si, il me semble qu'on doit venir avec vous, monsieur, non? Ah ouais, vous allez prendre vos camions en fait. Ouais, ouais, on va avec vous et... Alors, ouvre ta carte, tu vois ta carte ou pas? Oui, c'est bon. Voilà, tu vois là, à Telos, ouais. Là? Tu vois où je bouge? Ouais, ouais. Voilà. À droite. C'est à droite de l'aéroport, Armurie civile. Voilà. Vous allez vous mettre là, ici là, d'accord? Ouais. Vous allez vous mettre là, toute la police va être tout autour. Et dès qu'ils vont venir vous parler,
Moi j'ai une radio sur moi. Ah. T'as une radio? Oui, oui, j'ai une radio. Voilà. Enfin, je crois. Ah non, 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 vous me l'avez prise. Ah bon, tiens, prends la tienne. Tu veux pas qu'on leur demande plutôt où c'est l'acheteur? Comme ça, on va à côté de l'acheteur, comme ça, ça paraît. Non plus. Ouais, c'est quoi le canal? Attends, je cherche une radio. Viper, outsider devant la porte. Pour les Vipers, on était en couille, pensait à prendre des tasers. Hein, si tu veux aller attirer. Je sais pas, on doit attendre. Bah voilà, on va y aller. J'ai rendez-vous au barbecue en plus. Bah vous allez y aller après. Mais quoi, on se met dans des belles pénis? Ah, c'est cool. J'avais très faim. Une des belles pénis. Bah, genre, j'ai les P5 et tout, genre en mode. Non, c'est gratuit là-bas. Ah, là, je vais payer des chers. J'arrive. Non, mais c'est pas très armé. C'est pour le. On va dire le. L'habillement, le visuel. Test de course. Voilà, c'est. La radio c'est 250.3. Cosmos? Oui. 250.3. Ok. Bonne idée. Test. Comment ça va? Très bien. C'est bon ce Spork? Comment? T'as réglé ta radio? J'ai pas de radio. Ah d'accord. Bon, bah, t'as bon allez, c'est parti. Honnêtement, je préfère que ce soit Bob. Bibi, tu me fais la liaison avec la police? Leur... Ouais, 250.3 sur la FADAC. Ouais. Bibi, tu me fais la liaison avec police? Allez, tu m'envoies tout le monde autour de Telos. Bon, vous allez là-bas, les gars, avec vos camions? D'accord. Okay. Et quand je te dis à la radio top, t'envoies un message, t'envoies un message. Bibi, pour tout. Ouais. Y'a pas de problème, je demande juste où scaler ma bagnole. Salut, ça va? Et toi, ça va? Ok. C'est ma gueule ou quoi? Bibi pour centrale. Centrale là. Ivar, il fait quoi? Bibi pour Ivar. Pas sur là? Bibi pour Ivar. Allez, on y va, les gars. Moi, je m'en bats les couilles si personne n'est là. Fais, on va tout voir. On part sur quoi, là? Allez, mec, on part sur quoi? Opération. Bon, allez, à tous de Sierra Lead, de Colonel, on va partir sur l'opération. Top. Il est où Ah non, mais c'est. Quelqu'un reçoit sur la courte? Non, mais c'est pas. Il y a du monde sur la courte? Je crois que le général a dit affaire. Pour moi, il y a CP en code. Ok, d'accord, c'est sympa. Il y a du monde sur canal 1 de Viper? Affi. Ah, d'accord. Bon, bah, parce que je parle depuis tout à l'heure, il y a l'opération. Nous, on arrive vers. Il y en a d'autres qui s'occupent de tout courant, l'opération, là, pour ceux qui sont dispo? Affi, là, on est. Ok, bah, je vous attends. Ok, à toutes. Ok à tous, bah direction, les deux civils se mettent à Telos en position, ça, préparez-vous à taper. Et ils attendent quoi Telos? Bah les dealers. Je peux avoir un topo de ce qui vient de se passer? En fait on vient de choper les deux civils sur le champ de tabac. Oh c'est quoi ce bordel? Quoi? On aurait dû regarder s'il y avait des traceurs sur leur camion. Bah, c'est ce que je t'ai dit. Quoi? Mais c'est non, ce que non, je t'ai dit tout à l'heure. Non, mais les traceurs, je les ai mis. Ah, pour savoir s'il y a des traceurs. Non, ah, bah, ils sont pas aussi intelligents que ça. En fait, il aura prêté les camions, il a pas mis lui aussi des traceurs. Bah, non. C'est pas assez intelligent. Lui. Sur le véhicule, c'est normal. Ouais, c'est. Ah, ouais. Ah, moi, je les vois plus, mais. Ils font quoi là? Ah, ils vont se faire. Il va où? C'est bon, t'es en place? L'autre, il allait non. Laissez y aller tranquillou. Ah, oui. Ok. On va se passer en embuscade. T'es en place ou pas? Je t'entends mal. Hein. Oui, on est en place, c'est bon. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est bon, tu peux envoyer ton message. Eh hey,
merde, je peux pas envoyer de message. Quoi? Ça me dit que je suis pas j'ai client, je sais pas quoi là. J'ai pas la permission. C'est quoi son nom déjà lui? Du coup là on est en train d'attendre des un trafiquant Vous avez pas moyen de choper ce con? C'est bon, tu peux y aller. C'est bon, tu peux le faire, vas-y. C'est bon, tu peux le faire, vas-y. Ouais, ouais, je suis en train de d'écrire le message. Il est long. Ils sont où les jeunes, là? Tu es en place, la police, là? Quand il faut qu'il se cache, là. Un fichier de Viper Alpha. Ok, restez discrets, les gars. Un maximum. Moi, j'appelle pas ça discret. Non, en vrai, c'est bon. Putain, il nous demande combien on a d'argent. Un trajet de tabac, vous savez combien ça rapporte, à peu près? Dans le million? Combien d'argent, en tout? On sait par où il va arriver ou pas? Ah! Ah, je pense que oui. De quoi? Bon, c'est bon. Je sais pas, un camion de cigares, ça fait 780 000, je crois. Parce qu'ils doivent survivre aussi, non? Qui a dit qu'il faut évacuer la zone? Pourquoi faut évacuer la zone? Je sais pas, ça me paraît dangereux ici, j'aime pas. Bah, non, t'inquiète, ça va se passer. Ah, bon, bah, si c'est bon. Y'a de la bouffe à côté? Je vous ai battu quand même. Hein? T'en penses quoi, toi? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Là, il m'a demandé combien on avait gagné et je lui dis que j'en avais gagné dans les 900 000 avec les deux camions. Et j'attends sa réponse. Ok. Ok, ça va arriver, les gars. Il est en hélicoptère, normalement. Ça va arriver, du coup? Les chiens, pour l'unité, vous êtes bien camouflés? Allez, à tous, ils arrivent en hélico, vous foutez dans les garages. Pour info, il y a 3 véhicules qui restent. Allez, on avance. On va se planquer. Y'a une radio avec eux, Dédé, ou pas? Ouais. C'est quoi la radio? Bon, je vous fais confiance, 250.3. Ok, vas-y, je t'entends, c'est bon. Là, on est planqué, là. On est planqué, je vais juste la mettre en position marche. Pour qu'on puisse intervenir directement. Qui c'est qui a pris ma radio, là, bordel de merde? Bon, je t'entends, vas-y. J'en ai tout de suite à couper, je sais pas. Non, tu me dis, dès qu'il est sur toi, tu me dis. Tu fais style, t'as déposé l'argent à la banque, il faut qu'elle les retirer, nous on arrive. Trouver un hangar ouvert où vous mettez les véhicules dedans, on sait jamais, ils vont peut-être venir en hélico. Ok, tu dis comme à la police. De Sierra, ils vont arriver en hélico. C'est bien pris. Et quand je te dis top, tu deviendras top à la radio. Bâtiment, vous laissez les portes ouvertes, prêts à partir. C'est reçu, de commande. Donc, j'espère que. Ils ont pas leur Strider à côté. Hein. Tiens, pour Strider, est-ce que votre Strider est camouflé? Je suis dans mon garage. Qu'est-ce qu'il m'a pris? Sierra pour Ivar. Transmettez. Est-ce que vous êtes bien camouflé? Dès qu'on arrive, vous couchez au sol, d'accord? T'as compris ou pas? Il vient de me dire, nous arrive. Enfin, j'ai pas tout compris parce qu'il me parle un peu bizarrement, mais il m'a dit nous arriver. Attends, je vais. Nous, ou la parfait, vous venir nous rejoindre Sherkia, nous arriver. Faut qu'on aille à Sherkia. Sherkia? Ouais. Voilà, tu dis, c'est tu ne peux pas, t'as une roue cassée du camion, t'as Théos. Ah ouais. Ouais, mais faut péter une roue du coup. Bah t'inquiète pas, on va te la casser la roue. D'accord. Allez, fonce dans le camion et pète une roue. Je tire ou pas? Pète la roue.
pour lui péter la rue et sortir. Ok, c'est bon, mais en vrai, je vais voir s'il va me répondre. Il a dit nous, ça veut dire qu'il est sûrement pas tout seul. Les secteurs normes, on repart sur nous quand on aura lancé sur une valve. Ah, oh putain. Je vais péter la roue. Je vais rouler avec son camion. Ouais. Je vais le faire sinon. Je fais un trou pour casser mes roues. Je vais casser sur les deux. Écoute, si tu veux le faire, vas-y, fais-le. Mais fais-le. De se peler. Moi, je sens la connerie arriver, je sais pas pourquoi. Cobra ou Viper, vous pouvez aller sur CPR. Ah, fais ce que tu veux, mais fais-le vite. Mais non, parti, je te répète. Comme dit précédemment, Cobra, on va rester sur zone, je pense que ce serait mieux, non? Ah, fille, vous bougez pas. On a un Viper ouais, également, si on sort des garages et qu'ils arrivent, on va foutre en l'air loupé. CPA, vous aurez pas de renfort d'unité terrestre, on est déjà en opération. Parce que je peux pas déverrouiller le véhicule. Et les mains, il y a que du VL, les gars. Quelqu'un peut passer en conducteur? Moi. C'est Dédé qui. Dédé le conducteur. Okay. Mais il est débile. Excusez-moi, monsieur de la BAC, mais je crois qu'il va falloir vous tirer dans ces routes. Parce que je crois qu'ils sont pas décidés à faire le truc. Ouais. Je lui dis d'aller dans une grille. Oh là là. Ouais, mais faut pas. Non, bouge pas. Laissez-moi faire. Bouge pas, pousse-toi, Bibi, poussez-vous. C'est normal. C'est bon, c'est normal. Cacher la roue d'un camion. Le véhicule blanc. Oui, vous en faites pas. Je suis encore en troisième. Vous nous dites quand il arrive. Ouais. Je crois que le civil t'a flippé là. Vas-y, bon. Monte. Merci. Oh, mec, c'est overstylé, mec. Il fait le buter, Bibi. Oui, j'ai vu ça. Ouais, j'ai eu peur. Miracle en fait, je suis pas mort. Encore en train de me demander. Ma cachette elle était juste de l'arrière. Là, là. Ouais. Juste tu te mets en marche arrière là. Hélicoptère en a. Okay, il arrive vite. Nickel. Meilleure cachette. Il m'a répondu, nous rejoindre vous alors. Du coup, il va arriver, je pense. Nickel. Les chiens à toute unité, si vous êtes en place. Ils arrivent, ils sont sur la route. Dis-leur qu'ils arrivent, ils sont sur la route. Le Sierra, ils arrivent, les individus arrivent, ils sont sur la route. Et après, pour Cobra. Et que les civils qui travaillent avec nous sont couchés. Vous vous couchez dès qu'on arrive, aussi. De Sierra, les civils qui travaillent avec nous. Dès qu'on arrive, tu te couches avec ton pote. Vous vous couchez dès l'intervention. Donc, pas besoin de les agresser. Mais après le comment. Et après le Viper. C'est quoi le signal pour que je dise vous avez un visu ou Il est là qu'on a un radio avec lui. Vous avez un visu ou faut que je vous fasse un message? C'est un projet pour l'information, on est en liaison radio avec. Ah, tu me fais la com à la radio dès qu'ils sont. Ouais, mais ils vont m'entendre. Parler. Ah bah, c'est pas grave, voilà. Tu fais juste c'est bon, ils arrivent. Il dit juste ils sont là en fait. Ah, ok, d'accord. Quand t'as un radio, tu fais oh, ils sont là. Enlève-moi ta merde là. C'est quand tu rejoins l'île, c'est quelqu'un. Dis-lui peut-être de se cacher qu'ils sont là, parce que peut-être qu'il va voir qu'ils parlent à la radio. Yonek. Oui, il y a une faute sur ton... Non. Ouais, je sais, il y a un R en trou. Je sais, R, mec, j'ai vu. J'ai eu la flemme de le changer, en fait. Sophia, route principale. Hein?
Ouais, c'est un trap, embuscade. Hélicoptère en approche. Hein. Il y a moins de sur hélicoptère en approche. Ouais, c'est eux, c'est eux. C'était Zélico qui est venu me voir au champ de. Ok, il demande à toute la police de rester discret, ils sont là. Si. Je tire à toutes les unités, restez discrets, les packs sont en approche. Putain, ça braque la DC actuellement. On peut pas être partout, les gars. Ok, c'est bien eux, c'est sûr, c'est eux. Ok, c'est eux, c'est confirmé, ok, merci. Ok, c'est confirmé, c'est eux. Le Sierra, c'est confirmé, c'est bien eux. Ils ont gardé leur assiette. On attend que, les, que le rotor soit coupé. On attend du top. Avant, bon, pas besoin de me dire qu'ils sont là, c'est bon que c'est bon. Tu fais semblant que t'as déposé de l'argent à la banque. Comment ça, je fais semblant? Je leur dis. Tu as dit, bah t'as déposé de l'argent à la banque, combien il veut? Prêt? Tu me dis quand je te déclenche Top Hunter. Oui. On lance le Top Hunter. De Sierra, on lance le Top Hunter. C'est bien pris le Viper. Et du coup, comment on sécurise le périmètre autour de vous? Oui, c'est à gauche. Top Hunter. À quel niveau? Ah là, juste là, juste là, juste là. Allez au sol, les mains sur la tête! Les mains sur la tête au sol! Mains sur la tête au sol! Mains sur la tête au sol! Mains sur la tête, hop! Mains sur la tête! Tatane, tatane, tatane. Il bouge pas lui. C'est bien pris de Cobra Lead ainsi que Viper Tyran, on est déjà sur une grosse intervention. Allez, on embarque tout ça. On peut se relever? Regardez, c'est embarqué, c'est embarqué. Ouais, c'est bon. C'est bon, est-ce qu'on peut partir Viper pour rallier des CPR? Rafi, faites ce que vous allez faire pour les autres unités. Allez Viper, on dégage. Rafi, Rafi, c'était très bon. Mélodie, tu viens me récupérer, j'en t'ai. Si vous avez encore besoin de Cobra, c'est bon, les gars. Négatif, vous pouvez partir, Cobra. Transmet. T'as le général avec toi là? Ok, bah vous pouvez y aller, ouais, les gars, vous pouvez prendre vos camions. Bonne journée. Merci. Attends, bouge pas, toi. Mais si, toi. Ah, oui. Ah, je suis blessé. Cobra, on sécurise autour de la ville en attendant que le tir est fini. Ah, attends, attention. En tout cas, merci, les gars. On est encore deux, on savait pas que c'était pas les gars. Ouais. Y'a pas de soucis, vous pouvez y aller, du coup. Ah, bonne journée à vous, puis encore. Attends, arrête, Bob. Arrête de réparer. Hop, quand je te répare, ça va être à 100%. Du coup, CPA, on peut avoir un site sur vous, Viper, on Cobra, on est en train d'arriver là. Mais d'un côté, c'était un plaisir de collaborer avec vous, franchement. J'ai bien aimé. On refaire, peut-être. Oh, oui, moi. Moi, si je peux. Vous me recevez, CPA? Bonjour. Affirmatif, on a plusieurs cartes au sol avec des focus noirs et une BMW noire. Allez, on bouge. Sierra pour Cobra Lead en attente d'instruction. Cobra Lead, on va s'occuper d'aller traiter les packs à la BA. Vous pouvez. Non, sinon, c'est quoi ton petit nom, toi? C'est bien pris à tous les Cobra, on part en renfort de CPR. Vous répétez. Cobra reçu. De quoi? Quoi? Moi, pas le comprendre. Tu vas pas comprendre, mais moi, je vais vite t'expliquer, moi, en fait. Vous expliquez, moi? Ouais. En fait, toi, faire travailler civil pour faire du cigare,
Bah, eux demander de travail, moi proposer. Ouais. Et toi proposer contact sur TeamSpeak, toi. Téléphone. Ouais. Donc moins problème avec toi en fait. Tu vas mieux comprendre. Pas moyen. Ah bah oui, bah tu débrouilles mec. Hein. Donc toi tu vas aller en tôle déjà et après on va discuter en tôle. Et vous me les traitez les deux là pour trafic, machin, faire travail civil, total. Oh bah. Vous m'entendez? Monsieur. Entendez-vous, oui. Oh bah. Alors monsieur, comment vous appelez? Ah, très bien monsieur. Dans un premier temps, vous retirez votre arme. Tu vas me donner ta carte du coup, Otto. La sécurité pour la vôtre. A new follower. Hop, c'est ça. Salut Jérémie, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne. Tu peux nous rejoindre sur Discord pour avoir en direct les notifications de mes lives et de mes mises en ligne de mes vidéos. Merci à toi et bienvenue. Des menottes, vous me donnez votre carte d'identité s'il vous plaît. Je peux remettre les mains sur la tête. Je suis Kanta. Un petit peu. Et donnez-moi votre carte d'identité. Alors ça va être très simple. Allez, s'il vous plaît. Vous m'avez donné carte d'identité. Pourquoi je vais vous lister vos droits. Disponibilité. Bah, moi pas à pouvoir, moi pas parler comprendre. Un peu moins fort, casquette, s'il te plaît. Faire les cibles. Pour tous, la PMA va être rétablie sur la PA au plus proche. Moi attaché, non. Pour éviter que tout le monde... Ah, moi toujours attaché, moi pas pouvoir. Vous entendez. Alors je vais donc vous enregistrer, vu que vous êtes enregistré dans le service. Et moi pas pouvoir. Moi, désolé, moi pas pardonner, mais... Ouais, alors vous allez envoyer un message à la police. J'ai un fait pour tous, la PMA se fera la paire. Votre nom, monsieur. Hop là. Sinon, à moi. Non, moi, faut être connu. Nickel, vous pouvez remettre les mains sur la tête. Ah, fiafi. Dès que vous avez possibilité, vous pensez à la possibilité de Pierrot, vous l'extrayez au plus vite. On va vivre dans la jungle, forêt. Alors vous travaillez à deux, non, monsieur. Non, moi, vraiment. Non, plus sur le et doucement. Moi, non, simple, non. On parlait comme non, moi, comme trouver, vous. Non, sur. D'accord, parfait. Sur. Sur objet rond qui reflète la lumière. Tiens, je vais vous. Je vais vous connaître objet rond qui reflète la lumière. Non, on va pas pouvoir rien faire. On va compris. Pouvoir faire lavage cerveau, on va pas pouvoir accéder au téléphone. Alors, comme ça, monsieur, vous. Vous donnez du travail. Eux demander travail, bah moi proposer travail. Oui mais travail illégaux. Et ouais mais eux reportaient pas beaucoup d'argent, donc moi proposer, eux. Et eux m'ont dit oui, donc moi proposer, alors eux m'ont dit oui et moi pour nickel, non après. Ouais c'est normal ouais. Ouais c'est normal, j'étais en train de mettre la verto 2 pour ça. Désolé les gars. Allez Jules. Oh j'avais le temps encore. Bonjour merci. Non mon petit Jorin. Attention,
Oh putain, c'est chiant quand tu mets des virgules, ça me remet le truc. Pour moi, j'ai le commandant de. Ah, on part. Ok, je t'entends parce que t'es zone. Pour les unités BA, si vous pouvez aider les collègues blessés qui sont à la BA en les RCP, ça serait une grande utilité. Pas le problème de Cyril. Pas de soucis de Cyril. Pourquoi ton menu, dis-moi. Dangereux. Toi, dis-moi, dangereux. Ils seront. L'OGA n'est pas disponible pour eux, ok? Du coup, travail forcé. Et moi pas travail forcé. Travail forcé. Abus de confiance. Travail forcé, si vous pouvez faire des extractions, les gars. Équipement illégal. Pas de travail forcé. Attends, t'as perdu les 5 collègues, je crois. Travail forcé. Travail forcé. À moi, rien du tout. Rien du tout, vous travaillez tout seul. Obligé. À deux. Pas travailler seul. Non, moi travailler seul. Pas travail forcé, travail forcé. Lui, mon chef, c'est moi, lui dit voilà, on devait partir. Peut-être. Et moi, rejoindre eux, car eux m'ont bien fini, et moi, rejoindre eux, et lui, ma chance était là, mais lui, rien à voir. D'accord. Lui, ouais. Ton chef. Ah, lui, rien à voir avec toi. D'accord, travail. Lui, ton chef. Rien à voir, travail. C'est qui ton chef. Eux, d'accord, travail. Ton chef. C'est qui. C'est qui ton chef? Pas travail forcé, d'accord. Quoi? C'est ça, d'accord, travail. Quoi? C'est quoi? C'est qui ton chef? Quoi de vous savoir? Oh putain, il est sur... c'est moi ou. Non, mais c'est bon. Ouais. Ok. On va pas faire travail forcé. D'accord pour travailler. Du coup, vous voulez rien dire d'autre? Eux d'accord, dire d'accord. Moi dire quoi? On a pas que sur Stivers. Il est derrière le véhicule de Stivers. Eux avoir été d'accord. Eux d'accord. À vous savoir. Être version à moi. Pourquoi croire version à eux. À vous savoir. Moi, plus eux version à moi. Pourquoi eux. Moi, je suis derrière le véhicule. Pas avec le Marshall, c'est pas mon problème. Où sont les d'accord pour travailler. Allez, signe le papier. Toi enlever accusation au travail forcé, parce que t'es d'accord. Ok, bah. Donner du travail illégal à quelqu'un. Et eux d'accord, travailler. Non, mais toi, tu comprends rien, toi, en fait. D'accord, travailler. Tu peux pas t'acheter un cerveau avec l'argent, en fait. Du coup, vendre de stupéfiants. Ou avoir rien vendu. Avoir rien vendu, moi pas Choupinou. C'est ça, des problèmes dans forêt, moi pas Choupinou, Choupinou pas vivre dans forêt. Donc, toi enlevez-moi, travail forcé. Moi ok, si toi enlevez-moi, travail forcé. Pas travail forcé. Comment c'est à toi. Oui. Parce que moi pas de travail forcé. Il veut te voir. Il veut te parler, monsieur. Oh, je vais faire un vol. C'est ça. Ah, le j'ai le commandant Stewards et Scott sur Hotel. Moi, pour. C'est un point d'autre. Ils sont à Stiers. Qu'est-ce que tu veux. Eux d'accord, travaille. Apparemment, il est d'accord pour travailler. Ouais. Mais. Apparemment, pas travail forcé, lui voulant mettre travail forcé. Moi, ok, payer reste, mais pas travail forcé. Bah, travail forcé de quoi. Bon, tu les envoies travailler au cigare, non. Eux d'accord pour travailler. Moi. Tu les as travaillé au cigale. À lui vouloir. Donc menace de commettre un délit. Menace de commettre un délit. Comme ça, toi paye encore plus cher. Toi paye encore plus cher. Allez, menace de commettre un délit. Toi quoi dire, quoi être menace de délit, quoi. Quoi dire, menacer que. Forcer les personnes à commettre des délits. Ah, mais non, mais force. Pour avoir force. C'est pareil, mais si. Ouais, mais. Ouais, tiens, t'as ta dette, t'en as un. Parce que toi, pas trop. Et voilà. Ça, c'est bon, tout ça.
Ouais, vous me les libérez après, je peux les voir. D'accord. Et j'ai le commandant et Dan qui sont morts. On va voir magistrat Hill. Bah toi faire n'importe quoi, on va voir chef à toi. Tu viens de le voir mon chef. Bah chef dire travail forcé, moi pas avoir forcé, d'accord. Il veut pas payer. D'accord, moi. Non mais tu veux pas payer pas travail forcé parce mais que tu forces des gens à faire de l'illégal en fait, t'es d'accord avec moi? Pas forcé. Bon écoute, la loi c'est pas toi, c'est nous. Donc maintenant tu payes ou tu payes pas? C'est ma dernière question, c'est la dernière fois que tu la poses. Tu payes ou tu payes pas? Ok. Ben, tu lui mets, il refuse, c'est 10 ans, il refuse de se soumettre à la justice, obstruction de la justice. Déjà, dans l'action là qui est en train de se dérouler. Pour tous, on fait un changement de fréquence. Il y a qui envoie une fréquence. Et voilà, c'est tout, point mort. Allô. Qu'est-ce qu'il y a, tu te dépêches parce qu'on a une prise d'otage. Allez. Oh, Cédric, tu pourrais venir s'il te plaît? J'ai pas le temps, putain, c'est ça que t'arrives pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui pars dans un sens, s'il te plaît. Non. Maman, il la prend ou il la prend pas? Oui, c'est bien. Hey. Dédé. Ouais, il y a un mec qui. Ouais, il y a un mec qui est venu là, qui est là-bas, qui demande a priori sa cousine ou je sais pas quoi, j'ai pas compris son histoire là, qui serait ici, qui serait enfermé dans nos locaux. Nina, je sais pas, avec une autre personne. Enfin, apparemment, j'ai demandé à Bibi, y a pas de ça. Je vais aller voir, je vais aller mater là-bas dans les cellules, mais. Ouais. Désolé, je peux pas sur le coup. Pas de problème, pas de problème. Il y a eu un changement de frac, Dédé. Un changement de frac. Ils se sont fait défoncer. Donc du coup. Casquette pour Bibi. C'est bon. Putain.
de la mienne. Vous pouvez pas vous renseigner s'ils sont en prison. Redfield, info sur toi. Ça vient du dos. Doc, elle a rangé le bâtiment. Hop, c'est bon, monté, désolé. Monté. J'ai dû mettre fin à l'action. On se replie. Là, on se replie, là, on est plus assez. Bah, information là. On a perdu beaucoup de personnes et on a de nombreux packs encore sur mission. Doc, j'ai récupéré les deux derniers cobras, on a plus personne sur zone à part les deux cobras et les deux vipers. Et aussi, il se passe quoi? Ah, Riot, t'es encore vivante? Je demande un site sur toi, il y a personne qui a ce switch de radio. Ah mais les gars, j'ai un sur moi. Il y a encore beaucoup de monde ou pas? Un certain nombre je pense. Ouais, il reste 3 voitures, une Tesla, une Shelby noire et une C63. Ok. T'es spot ou pas? Neg. Sierra, est-ce que vous pensez pouvoir récupérer le collègue là? Je suis plein moi dans le véhicule. C'est bon, on a un véhicule devant nous là. Tu confirmes la Ford là? RS3 aussi, RS3, Ford Focus, Shelby, et la Audi 3 devant moi là. Je vais aller chercher le collègue. Ouais. Vous avez la Tesla là. Au tour solaire, vous avez la RS3 sur la main. Gabriel, t'es prêt à monter dans le Z? Attention, il y a une voiture qui vous suit. Tu fais des tirs de couverture si ça s'approche trop. Bordel, les gens ils comprennent rien en fait. Allez, grimpe. Bon, c'est par là bien sûr. Allez, on va se faire l'audi là, direct. Doc, viens vers nous là, avec la voiture. Après. Allez, cache-toi, planque-toi quelque part là. On va se planquer, tu vas nous le ramener sous nous. Affiche. Arrête-toi là, arrête-toi. T'es prêt? Je vais rester sur la main. Attends, ne descends pas comme ça. Cache-toi, on est en uniforme. Une voiture de coffre de chez nous, regardez, elle est sur la main. Ouais, ok, il y a code noir aussi sur. Il y a des codes noirs, il y a code noir engagé. Hein. Ah, les codes noirs, on a perdu au moins 10 bonhommes faciles. Ils se mettent devant la petite butte. Line à notre droite là. Où? Ah, juste là, à notre droite là. Il y a la voiture de flic qui est juste derrière la butte. Arrête-toi. Bref, c'est bon les mecs. Hein. Alex, il est con. Si je fais tout ce temps de mon strider, vous allez pouvoir les liquider avec de l'eau. N'importe quoi. Pire en pire, la police. Hein. Aidez-moi à entendre toi maintenant. Excellent. Oh bordel. Ça serait être nul là. Ah putain mais complet là. Là il a fait de la merde là. Jamais vu ça. Là qu'ils font droit dessus quoi. Ils demandent de s'arrêter, d'attendre, bah là ils continuent. Bref. On est tous saoulés en fait. Je suis fatigué. Stuff.
Ouais. Je sais pas pourquoi il a foncé droit dessus là. Go Fortnite les gars. Il y a le championnat du monde, on a peut-être une chance là-bas. Ok, attends juste une seconde. Est-ce qu'il y a des chargeurs là-dedans? Avec sur kill en fait. Bah, d'accord. Hein? Ça va pourquoi t'as foncé dans le tas? Hein? Non. Quelqu'un qui répond au preneur d'otage? On vient d'écraser quelqu'un, Cédric. Oh. Sérieux? Quoi, il est dans le mal ou pas? Oui. Est-ce que vous venez avec vous? Non. Ok, au revoir. Il a le courant, putain. Là, il y a un terroriste. Oh, on va appeler la sécurité civile. Pas dans la merde. Ce qu'il faut en fait pour un peu de compte. Tu zappes? J'appelle. J'ai un téléphone. Bah, j'ai pas de téléphone. Comment on fait? Oh mec. Vous avez pas de téléphone vous non plus? Bah non. Quelqu'un qui me reçoit sur la radio? J'ai l'ancienne courte.
Quelqu'un qui est mon sol sur la courte? Bah écoute, vous m'appelez la sécurité civile s'il vous plaît sur l'hôpital civil commun. C'est bien. Fin sa race. Y'a quelqu'un sur la PO là? Laquelle? La prise d'otage? Ouais. Ah putain, arrêtez pas les longues. Ils ont tous nos véhicules. Bah oui, là c'est normal, hein. Ça va défouler sur. Ça, hein. Ça va être ça. Faut s'amuser, hein. Pourquoi les pompiers? Vous pouvez envoyer un message téléphonique à la police, changement de longue. Y'a un problème, monsieur? Ouais, je crois. Et comment? Ouais, c'est donc ça son problème. Santiago pour DD. Okay. J'ai contacté la sécurité civile, ils me disent pourquoi vous voulez qu'il vienne à l'hôpital de Kavala. C'est quoi? C'est un monsieur qui est blessé ou? C'est un soigné, moi. Oui, bah oui. D'accord. Ça marche. Ouais, qui s'est passé ici? RCP? Non. RCP Rouya, RCP Rouya. Vous avez entendu, il y a des collègues qui ont eu pas mal de problèmes apparemment. C'est sûr. À côté de la BA. Il y en a eu de partout, des problèmes, il y en avait à Rodopi. Ah ouais? Oula, autant de policiers pour un seul homme. Il va bien? Ah, ça va, monsieur, tellement. Ah, j'imagine, le pauvre, on dirait ça. Il a dû faire de la randonnée beaucoup dans sa vie. Ouais. Il a tenté de chasser le poulet, mais il l'a pas trouvé comme certains, tu vois. Ah, il y en a qui sont forts à la chasse et d'autres femmes. Il a pris. Malheureusement pour lui. Il ne fait pas d'aboum boum. Est-ce que vous voulez que j'aille dans l'hôpital et essayer de trouver un médecin? Non, ça marche pas. Santiago pour DD, ils m'ont dit que ça va être compliqué, mais j'essaie quand même d'amener de. À présent. Oh, ouais. Super, si maintenant même eux ils veulent plus soigner des gens, ah bah putain. Où est-ce qu'on va? Bon courage, monsieur. Et bah, bonne chance, celui qui est par terre. On met tout sur gueule. De là où tu es. Salut. On attend la sécu. Bah c'est tout ça. Non mais sécu veut pas venir en fait. Ah sécu veut pas venir. Non. Quoi? Je sais pas. Ah ils sont beaux. Il y a un mec de la sécu là, il veut pas venir lui. C'est un truc de malade. On peut aller à l'heure, c'est fait jusqu'à demain, je sais pas si on va réussir à le ramener. Je suis pas sûr non plus. Il a fait un coup de défibre là. Pourquoi il s'en va là? Je veux pas s'en aller. Non, non, il est là. Il est bien présent dans le bendo. L'état de conscience de monsieur. Apparemment, monsieur est inconscient. Ouais. Ah ouais? C'est bien. Je pense que c'est lui qui chantait depuis une demi-heure. Et... La tension est basse, messieurs. Monsieur. Hein, je vais boire. Et il n'a pas de. Super ça! Soit follé. Follé, test. J'ai pas de téléphone, ça me saoule. Pas possible. Aïe. Wouah. Sacré merde tout ça, hein? Ouais. Ah ouais? Y'a pas un médic de combat par ici? Ouais. C'est ça du coup?
Vous êtes tenu, hein, ouais, Redfield c'était tenu. Ah, c'est des choses qui arrivent. Donc, du coup, colonel, on peut y aller. Vous. Il y a hein non il est blessé, Redfield. Ouais, mais c'est pas grave ça. On vous laisse prendre le relais, on va essayer de couper. C'est reçu. Ouais. J'espère que je verrai on voit personne qui va passer dans ma voiture encore. Le pare-choc, quoi. Doc pour sécu. Oh, j'ai essayé d'aller me poser sur la petite montagne. Du coup, ouais. Bah, t'es pas peut aller sur la petite colline. Voilà. T'as vu, c'était partout. Ouais, elle est partout. Et restez pas que 4 VL. Super, vous êtes sur fréquence. Restez 4 bonhommes dans les VL plus. 6 autour, je pense. Là, je vous dépose. Bon, bah vu qu'on a une PO, elle est toujours en cours. Bah, apparemment, ils attendent. Vraiment, jamais encore d'argent. Non mais le mec il donne. Je te réveille, je leur donne, je leur mets une tête, il y en a un, je mets 3 balles et il est encore debout. Non, incroyable. C'est ce que je te dis. Qui c'est qui les a. Comment ça c'est. On va voir ça plus tard. C'est le bordel, les gars. Vous. Les chefs de squad là. Soit ouais. Vous mettez un coup de pied dans la fourmilière, soit c'est moi qui vais le faire. Voilà, la C3 elle est sur carte. Hélène, c'est toi le chef des squads là ? C'est ça. Bon, c'est soit tu me bouges de Tigugus comme tous les autres là, parce que les chefs des squads vous me mettez un coup de pied dans la fourmilière là. C'est soit c'est vous, soit c'est moi. On va partir la PO. J'ai tous les chefs des squads là sur la radio ? Bon, c'est simple. C'est un peu le bordel, vous me connaissez. Quand ça va, je dis rien. Quand ça va pas, je le dis. Voilà, ça va pas. C'est plus facile de virer des mecs que de faire votre boulot. Donc soit vous faites le boulot, soit je m'occupe des chefs des squads. C'est compris ? J'ai dit. J'ai dit, on va prendre équipement d'opération. Et ben moi je te dis, tu vas le faire et tu te tais, t'es brigadier, tu lui refais ton poste. Oula, oula. Ah, le brigadier, il n'est pas d'accord pour changer d'équipement. Prendre. Oui, bah hier je me suis mis dans la merde à cause de ça. Oui. Y'a pas de. Ok, je vais faire gaffe. Attends. Oh putain, j'ai acheté ça comme. On débrief de l'action d'avant là. Débrief, hein. Je sais même pas voir ce qui s'est passé. Faut le Réa au Taz. C'était limite ça. C'était limite ça. En plus, il a appelé. Attends, pardon. Faut en plus. Ouais, parce que je te dis, c'est comme ça. Il y a un peu le bordel ce soir. Personne qui veut bosser. Il y a... Je sais pas ce qui se passe. On n'est pas nombreux en plus. Si je donne pas un coup de pied dans la fourmilière, bien facile de virer des mecs. Hein. Plus facile de virer que de travailler. Hein. Ça m'agace un peu. J'ai un tantinet agacé là. Deux. Hein ? Ouais, deux. Ouais, mais ça, moi c'est les chefs des squads qui m'agacent. C'est pas pareil. À un moment donné. Même jour aussi.
cas et je te donne la mienne. Vas-y. Une M249. T'es là, Mathieu ? Bientôt, bientôt j'ai formaté eux. Quoi de trucs ? Tu ne fais pas de l'incursion, gros. Vas-y, moi pas que la prise d'otage est encore pas, sur le bout de l'île. Oh, voici, mais vas-y, mais eux, de la farm en fait, ils font que ça. Ouais, mais ils envoient des messages depuis tout à l'heure. Oh, je trouve ça dégoûte en fait qu'ils font une PO de deux jours. Ils ont fait là-bas. Ouais, c'est sûr. Ouais, du coup, venez au mur quand c'est bon. Pas deux, il y en a eu quatre. Ah, oui, que 4, hein, t'inquiète. Ben, Ego. Les dés, tu prends ou je prends? Oh non, moi je peux pas. Tu veux que je prenne ou on laisse quelqu'un d'autre? Ouais, tenue. Merde, il y a une organisation dans la police. Rien qui sert, hein, attention. C'est d'avoir les clés. Alors, vous êtes ici, j'étais sur une action. Non, t'es pas mal, non? Ah, mais ça te manque d'item. Reste court. C'est vrai, je suis en évaluation. Du coup, je te laisse en lead, je vais peut-être ramasser avec toi comme tout à l'heure, vu que. Oh aussi. Voilà. Bordel ou quoi? Non, je sais pas. Non, je crois. Un braquage de station, tu es à côté du camp rebelle. Ouais. On arrive de bagnole, une qui part vers le camp. Et voilà, bah là tu fais des sommets. Bah voilà. Tout le monde s'est fait défoncer. En fait, je pense que c'était juste prétexte pour gunfight. Ouais, tu sais qui c'est? Qui c'est? La Vorvée. Bah voilà. Putain, casse les couilles, ils reviennent en une soirée, ils refont de la merde, c'est pas possible. Bah ouais, c'est ça. Il est là, MC. Ouah, on est réduit de fou. Allez, écoute, je vais les souiller après, une traité, vraiment ça. Ouais. Ouais. Les deux là, les deux pelous qui font quand même prise d'otage depuis 4 jours là, aussi on va les souiller là. Bah ouais, mais ils sont seuls, ils y sont là. Hein. On l'a dit au mur tout à l'heure. Choper leur nom et puis on ira leur aller aussi, ça a cassé les couilles. 2-2-2 x 2 normalement là, c'est 3. Ouais, c'est là, ils ont fait Yogat, ce qu'il a fait, il s'est mis en plein milieu là où il n'y a pas de cover, il a fait on descend, on tire, bah ouais, on s'est fait encercler. Putain. Eh bah, mais à jour la carte. Je vais regarder. Ok. On va mettre Enzo avec Adam, c'est ça fera good. C'est marqué ton point, Adam. On va aller lui faire. Ouais, c'est ça. Oui, parce que Danina, ouais, c'est ça, ouais, c'est Danina Bayov, Friedrich, Antoine Sabastano, Hakim, Saïd Boukari, Brahim Alid. Ouais, c'est ça. Qui reste pas avec Dave. C'est ce qu'on va faire. Donc le blanc il est présent. Mathieu, tu mets à jour les points quoi. On a le blanc sur le sur l'île. Non. Son point. Attends, je suis pas sûr. Oui, il est là. Ah merde. Parce qu'en fait il est avec Obavo là, juste là-bas. En fait. Il va? Ouais, pousse-moi la voiture. Pousse la voiture. Moi et Rams. T'as capté. C'est en vrai. Après, ça reste qu'une action, mais t'as raison. Non, je vois solo. Dans le fond. De quoi? Ah là, on a eu un. Comment c'est possible de perdre 15 hommes en 45 secondes? Bon, je sais ce que c'est possible. C'est pas fini, attends. Mais au final, c'est dommage car c'est la police qui a été fait mal. Ouais.
Y a une nouvelle. Bah ouais, gars. Nous on a une nouvelle aussi ou pas? Ouais. Sur quel élan on est en PO, les gars? Ah ouais, j'arrive, mais je veux faire un groupe bandit. Mais c'est que on n'a pas le droit de s'étirer dans le territoire. Ah bah non. Pour toutes les unités, vous êtes professionnel, vous pouvez contrôler que dalle en fait. On n'entend pas canal 1. Mais le canal 1. Le canal 1 il a changé. Ah ouais, c'est 244.3. Ah, tu n'entends pas? Non. Bon, ils ont envoyé quelqu'un la PO ou comment ça se passe? C'est Steelers qui a pris la négo. Oh. La commandante, je vais prendre la. Y'a pas d'adjudant-chef, y'a pas de major, y'a rien là? Je voulais la prendre, on m'a dit Steelers qui l'a pris. Dédé, t'as une LRPS pour ton J'ai ce qu'il faut, j'ai. Merde, je crois que j'ai oublié de prendre la bouffée. Ah non, c'est bon. Oh, ouais, j'ai une LRPS. Non, j'ai pas de LRPS moi. Dédé dans la voiture. La messe. Ah, t'as un LRPS dans la voiture. Tu veux un AMS ou un LRPS? LRPS. RPS. J'ai AMS et LRPS. C'est bon, c'est bon. Dédé, t'as bien réglé ta longue ou pas sur le VL? C'est moi qui conduis, oui, c'est moi. C'est toi qui conduis? Ok. Moi, j'ai rien. Non, mais au cas où, on doit parler en longue. Réglé. Vérification quoi de base. Général il est un peu. Ah bah voilà, les deux, le train quoi. On est bien Dédé. En fait il fait descendre en premier je crois. Hein? Il me semble que le général il est bien chaud là. Ah ouais, ça va vite le gonfler surtout. Les boops, les boops, mon petit Tranks, merci pour les boops, merci pour ton euro. En fait, HRP, c'est passé quoi, vous? J'ai voulu monter sur une montagne et. J'ai aucune info en fait, c'est ça? Ouais, en fait, j'ai demandé des infos. Il y avait déjà 15 mecs qui venaient de se faire crever et. Yes, je lui dis la montagne, elle est clean. Il me dit ouais. Et je monte sur la montagne, on se prend tous des rafales dans la tête avec des dés. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Vu que vous étiez dans la merde, du coup j'ai embarqué le brigadier. Diablo pour Mike, Yuga. Dédé, on est bien d'accord, on a vu la même chose. Hein. Erwan, Yuga, pardon. Mais par contre, ils étaient 17 000 encore. Hein. Ouais, non, ça se peut. Quand on arrive. On a tous vu la même chose. Quoi? Qu'est-ce que vous avez vu la même chose? Combien ils étaient, comment on s'est fait des destroys, Dédé? Ah mais c'était fait exprès les gars. Quoi? Ils ont tapé la station exprès en fait. Mais carrément. Ah mais ça on savait. Ah carrément. Comment ça se fait qu'il y a autant d'unités qui se fait abattre hein? C'était 30? En gros ils ont tapé la station juste pour taper du flic tu penses? Ouais. Ah mais oui. Non mais bien sûr, c'est ils ont posé des herses. C'est la barbeuse à quoi? Ah ouais, non, c'est pas vrai. Moi c'était... je sais pas qui, moi c'était Sabastena. Du coup on a la PO qui est ici, sinon on est... ici. On va se diriger... on va aller se mettre au même point que la dernière fois, Bibi, ça te dit? Pas trop mal, France Alphonse. On était pas trop mal, on a un TE avec nous? Ouais, bien sûr. Parfait. Moi, je pense que je vais laisser le TE à Dédé, hein, comme ça Dédé est trop fort en TE. Donc. Ma gueule du trop fort. Il fait du 4-5 kills à chaque fois. Hein. Attends. Tu te souviens où est-ce que c'était? Ah, ici. La dernière fois? Quand je me rappelle, je te regardais. Ouais, je me souviens le coup de TE dans l'hélico là, putain. Et celui-là avait... Il était beau celui-là. Ah, il était beau celui-là. Ah, celui-là était bon. Ah oui! Ah ouais, celui-là. Ouais, celui-là. Celui-là était magnifique. Ouais. Celui-là, je l'avais clippé et j'ai encore le clip. Hein. Je vais le garder. Ah ouais, faut clipper.
L'action d'avant, elle m'a vraiment foutu la mort. Je vous le dis. Bien là. Oh putain. En fait, ce que je comprends pas, c'est que on sait qu'ils sont potentiellement plus que nous et on continue à foncer dans le tas. C'est ça. J'ai voulu aller, j'ai demandé si la colline elle était clean. On me répond oui, je vais sur la colline. Là, on se prend tous une tête. Vous étiez combien dans votre VL? On était 3, on s'est pris 3 têtes. Ouais. Le mec, il a fait du tir au pigeon. Le mec, s'est fait plaisir. Ouais, ah, il s'est fait plaisir. Hein. Il a pris 3 kills. Hein. Vas-y. Bon. Okay, hop là. Monte. Vas-y, go. Ouais. Bon, moi j'ai eu la chance. C'était Sébastien aussi. Ouais. Sébastien, ah, il en a pris 3 là. Ah ouais, il m'a même pris tout à l'heure aussi. Moi, il a eu de la chance. C'est-à-dire que la RS3, en fait, on est sorti de la BA. Ah ouais, encore déjà. On est sorti de la BA. Le long de Syrah. On est sorti de la BA, on s'est dirigé. En branchement au niveau armurerie, on s'est déjà fait tirer dessus quoi. Les mecs nous ont tiré dessus instant. Hein. Je savais pas si c'était nous ou pas. Ah ça par contre j'ai trouvé ça décevant. Hein. Imagine si ça aurait été nous. Genre ça aurait été des bandits tu vois qui font un go fast. C'est à dire qu'on arrive, passe à fond, les mecs ils nous tirent dessus et un peu plus ils nous butent tu vois. Entre nous ils sont pas cons. Ils sont pas cons les gars, hein. C'est les anciens VVZ. Hein. Pas cons, mais il n'y avait aucun moyen qu'ils reconnaissent que c'était moi. Ils connaissent. En full équipé. En full équipé bandit. Parce que tu m'as vu tout à l'heure, mais... C'est quoi le regroupement là, Poliaco? Et ce stackage. Tout le monde se stack à Poliaco pour mettre en place la stratégie, c'est ça? Ah non, c'est Viper. C'est juste Viper. Y'a pas de. T'as la petite fabrique de ciment, les gars. On va aller se mettre à notre fabrique de ciment. Attends, non. Ciment. Non, mais c'était. On a prévu de la plongeur ou pas? Le Syrah pour les unités, est-ce qu'on a prévu des plongeurs ou pas? On essaie de se merder. La réponse? Je t'entends pas. Bon, vous secouez les rats un peu là, les gars, là, s'il vous plaît. T'es ma gueule ou quoi? Le Syrah pour les unités, ce qu'on a mis en place des plongeurs. Tu parles où, courte là? Mais non, je t'entends pas. Parle en longue. T'entends pas. 45.6. Ouais, je t'entends pas. Il se fout de ma gueule. Test court? T'entends pas. C'est ma radio qui a un problème ou quoi? Aider, tu me test. Vas-y. Test courte? Non. Attends, je vais m'arrêter. Parce que. Est-ce que tu vas te dire formation pilote? Vous nous recevez sur la courte là? Si. Ah, à fille, ouais. D'accord. Test? L'IP a encore changé. Là, on n'a pas reçu. Putain, mais c'est quoi? Bon, revenez-moi une nouvelle longue et une nouvelle courte. C'est vraiment le bordel, putain, je vais tous vous défoncer. Mais c'est ce que je fais sur carte. Sur la courte. Vas-y, on parle bien pris. Du coup, pour tout le monde, il y a un avion sur mine de sel qui serait peu. Moi, j'ai entendu Lopez, il y a des. Attends, mais Mathieu ou Dave, vous êtes à 144 ouais, c'est bon, le véhicule est sorti. Pour... Il y a une prise d'otage et vous êtes là en train de discuter. Il y a un problème, les gars. Là. Franchement, il y a un problème, les gars. Là. Il y a une prise d'otage et vous êtes là en train de discuter. Quoi. Voilà, on est censé être 4 escouades et 4 VL, c'est tout. On y va. Eh, hey, chef d'escouade, là, réveillez-vous, bordel. Là. Bon, on vient juste. T'es chef d'escouade? Non. D'accord. Moi, je m'en prends au chef d'escouade. Là. Ah, je vous les gars, c'est les chefs d'escouade que je vais taper. Hein. Parce que c'est plus facile de virer des gars
que de faire son boulot, hein, apparemment. C'était là, c'était ses maisons, Bibi. Matif. Ah là, on est bien là. C'est les meilleures positions du monde. Après, je préfère celle de derrière, mais après, tu peux tuer. Par rapport à la tour armée, c'est ça? Merde. La dernière fois, on s'est mis là avec Bibi, on avait un snipe magnifique. Bon, par contre, j'ai planqué le VL. On a pas les clés du VL. Dès fait passer les clés du VL. Tu l'as eu ou pas? Bon, c'est bon. Par contre, je crois qu'on a un problème de radio, nous. Vous faites un test court sur la courte actuelle, là? Test court. Ok, bah t'as pas la bonne. T'es sûr que t'es pas sur une FADAC, là? Non. Non. Putain, ça me refait pareil que la dernière fois, Bibi. Mais attendez, mais c'est quoi vos positions de snipe à 1900 mètres, là? Elle est bien, ceci. 1900 mètres, les gars. Malheureusement, à part que je vais te mettre près de l'eau... Le temps que je tire la cartouche, le mec il aura bougé 15 fois, en fait. Sinon, on peut pas se mettre au sniper sur cette position, malheureusement. Est-ce que, ce que je veux dire ou pas? On a aucun visu. Et sur l'île? Mais sur l'île, on a aucun visu, justement. C'est de l'autre côté, en fait, quand on a le visu. Et... un mur qui bloque là. Vu que c'est un peu incliné, en fait on peut pas avoir d'autres visuels que de ce côté là. Et là le temps que tu tapes, pac! Ah bah le temps que la balle elle arrive, t'as le temps de bras à coup. Justement, on peut juste abattre s'il passe en pilote de l'hélico ou des trucs comme ça quoi. Ouais bah donc tu sers à rien en fait. Bah là clairement ouais, pas grand chose. On est d'accord. Oui non mais clairement. Ouais, oui. En fait, là, le top, c'est de se foutre soit sur l'amas de pierre qui est juste devant nous, là, soit carrément sur l'île où on est à 800-900 mètres. On aurait dû prendre des recycleurs. Bah, les gars. Et voilà. De négo à l'île de paix. Oui. Ok, 3 packs visibles, 4 otages. Ils demandent 7 millions. Des infos sur le groupe, qui c'est, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils font ça? Aucune identification, personnage assez virulent, personne sur le toit de la tour armée assez instable, il est prêt à ouvrir le feu sous n'importe quel prétexte. Une troisième personne ne parle pas très calme. Ouais, ils sont tous énervés quoi. Affirmatif. Procédé qui ressemble étrangement à celui de la prise d'otage d'hier. Hein. Hélicoptère de même capacité, rouge et noir, et de même, même marque. Est-ce que t'as pu prendre la plaque de l'hélico? Négatif, il ne me laisse pas approcher l'hélico, sinon j'aurais mis un traceur dessus. Ok, j'ai bien pris. Si t'arrives à checker l'identité, si ça appartient à Gizmoville, c'est ceux de hier. PA. Combien? Près de combien ça PA? Là on est à Bracon, il y a un autre Bracon qui est sur l'avion. Il appartient à monsieur Gizmoville. J'aurais savoir si c'est pour un reportage pour savoir ce qu'on doit faire sur l'avion. Mathieu. Les messages téléphoniques que j'ai reçus, c'est de monsieur Namek, extra mafieux. Est-ce que tu veux qu'on s'abat un petit peu l'hélico, c'est-à-dire qu'on mette le réservoir ou des choses comme ça? Réitérer, j'entends pas le. Pour information, monsieur Gizmo Evil a fait une prise d'otage de 3 jours au même endroit, sur le même procédé. Tu me reçois mieux, Steven. Transmets pour Steven. Demande-lui si on doit saboter l'hélico en le mettant les hélices ou en le mettant le moteur ou des choses comme ça. C'est un avion. Ok, c'est bien pris. Le CPA pour Steven, est-ce que tu veux qu'il sabote l'avion ou pas?
Oui, ils peuvent saboter l'avion, pas l'hélico, parce qu'il y a des grandes chances qu'ils transportent les otages jusqu'au point d'avion. Affirmative, vous pouvez saboter l'hélico. L'avion. Arrivé de doc sur zone. Qu'une unité se prépare, hein. Il n'y a pas besoin que Cobra ou Viper aille directement se positionner pas trop loin de l'avion. Ouais, il y a un avion. Comment on va se diriger sur la dernière fois, ils ont essayé de prendre un avion, du coup ils sont allés vérifier au lac de sel là. Du coup, de Sierra pour les unités au sol, est-ce qu'on a des plongeurs ou pas? Putain, ils veulent ça, parce que les plongeurs ne sont pas utiles. Parce qu'ils savent pas. Parce qu'il y en a pas en fait. Ok, c'est bien. Ok, bah vous payez les 7 millions et voilà, bah, vous voyez quoi. Je sais pas moi. J'ai gagné un peu de temps le temps que les unités se mettent en place. Cobra lead pour l'IDOP, où est-ce qu'il est, où est-ce que l'avion est? Cobra lead, tu me reçois? L'IDOP, c'est qui le l'IDOP déjà? C'est qui le l'IDOP? Je sais pas. Centrale pour Cobra, l'avion se situe une ligne de sel. C'est qui le lead dopé? Il me semble que c'est vous, Gonel. Ah non, négatif, c'est ça que vous avez pas compris, les gars. C'est que c'est pas moi en fait le lead dopé. Ça va être le lieutenant de Cobra, le lead dopé, ou le lieutenant de Viper, le lead dopé. C'est lui qui est en première ligne, donc c'est lui le lead dopé. Pour information, pour Cobra, je viens d'annoncer, on part sur la mine de sel, donc ça va être compliqué de lead dopé depuis la mine de sel. Et bah du coup bah le lead de Viper. J'ai arrivé sur zone, hein, vous demandez pas ça. Donc le lead Viper de colonel. Diablo pour DD. Transmet. Et je vais te prendre le lead OP. Voilà, enfin une bonne réaction. Les gars, faut arrêter de s'appuyer sur les colonels, les généraux et tout ça. Bon du coup pour information, lead OP pour lead Cobra, l'avion se trouve sur mine de sel. J'ai mon équipe qui est en train de le saboter, donc ils vont le crocheter, essayer de détruire l'essence qu'il y a dedans, et après le réparer pour remplacer quelque chose. Vous pouvez que me contacter par longue, hein. Je suis à 2 km du sol. Allez. Nous vous informons que nous partons sur la mine de sel à la demande du négociateur pour attendre potentiellement l'hélicoptère. Bien reçu. Une casquette? Transmet, ouais. Et comment t'as réglé ton problème de bug radio? C'est une bonne question. Bon. Je sais pas, moi ça. En fait, j'ai changé ma frec, mais essaye de mettre une frec en canal 2 peut-être. Essaye de mettre la frec en canal 2. C'est que ton canal 1 il est bugué. Non. Attends. Bien, hein. Vas-y, pose-moi ta radio seule. Je vais changer. D'accord. Bien. Mais quelle est ta qui? Putain. Test radio. Test radio. Ah, je reçois. C'est ta radio qui est buggée. Oh putain. Ah, c'est ta radio. Bien. La poser. Elle est buggée. C'est la 67. Elle est bien buggée. On est déçu là pour donner les distances si t'as besoin. Moi je veux. Couvert l'arrière. Transmettez. Vous avez combien d'unités là? Transmettez. Oh putain. 5 unités Viper.
On est deux véhicules blindés au sol. Bien pris. L'IDOP pour Sierra, vous êtes en TE. Affirmatif. Vous avez vu sur Citiverse. Oui. Non, retransmet. Vous avez visu sur le commandant Stivers? Négatif. On a visé sur les packs et sur les otages, mais pas sur Stivers. Il y a Stivers qui vient nous voir. Il nous fait, les gars, vous me manquez. Et pourquoi, tu sais pourquoi il est parti dans Cobra? Ouais. Pour restructurer un peu? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Eh ben... Dédé, mmh. Un lien fou sur le forum. Hein? Un lien fou sur le forum qu'il faut que tu supprimes. Je viens de cliquer dessus, ça va activer toutes mes alertes. Il faut supprimer ce post. Le post que je viens de t'envoyer à l'instant. Lequel, le post? Le post qui vient d'être mis à l'instant là. Ne cliquez surtout pas sur le lien. Cliquez surtout pas sur le lien. Le Google Doc là? Oui. Allez, info. Quel enculé. Ah oui. Foiré. Eh, t'es que heureusement que j'ai tout ce qu'il faut sur mon PC. Hein. Moi aussi, moi j'ai Bitdefender. Un mec qui sait pas, il est dans la merde. Tu dis quoi? Je pense que c'était un petit malware des familles. On apprécie. De doc important, on a nos deux collègues qui étaient sur la mine qui sont en coma. Quoi ? Au niveau de la. Disconnected. La merde. Pourquoi faire fermer TS ? De quoi? Tiens, là, je sais pas quoi là. Hein. De quoi? Il se passe quoi? Soit c'est ça, soit il y a eu un code noir déclenché là-bas en haut. Je sais pas. Oups. Transmet. On a perdu Follet Yuga. Follet Yuga? Ils étaient au niveau de la mine de sel, en train de saboter l'avion, et je pense que l'avion il leur a pété dans les mains. C'est bon, t'es toujours là? Il est en train de négocier. Pour la fois, on a dit Juliette sur 8, quoi. Qui s'est bien pris demander à Cobra des infos sur la mine de sel. Transmet. Okay.
on est sur la glacée, après on va vers l'avion. Afi, vous y allez, vous me dites ce qui se passe. Le mec avec les malware. Il est encore là ? Quoi ? Il a reposté ? Ah, il a reposté là. Je réitère, il a dit. T'as vraiment le lien ? Il y a le lien qui nous a dit d'aller. Putain, mais c'est la soirée ou quoi là ? Donne-moi le lien MP. Par contre, c'est pas un avion, c'est un L4. Pour information, L4 appartient à la police, l'avion appartient aux rebelles. Le truc, c'est que c'est une présentation normale, mais il y a un truc qui est détecté par mon truc, c'est ça qui est trop bizarre. Déjà, bonsoir pour avoir notre présentation, on va cliquer sur ce lien, qui c'est qui fait ça, quoi. Il est bon, hein. Voilà. Didopé pour ceux qui sont sur la mine de sel. Il se passe quoi sur votre position? L'avion est comment? Voilà, c'est bon. Bien joué. Tu l'as bas? Ouais. Ouais, s'il remet son poste à chaque fois. Parce que. Le doc en soi, moi, parce que la première fois que j'ai eu l'alerte, j'ai fermé direct. Là, j'ai activé toutes mes sécurités, j'ai regardé le doc. Le doc, c'est un doc normal, mais j'ai l'impression qu'il y a un. Il y a un truc. Enfin, il y a un truc caché dedans. Ouais. Un truc normal. T'inquiète pas pour toi. Oh, avant qu'il ait la mienne, il a le temps. C'est la soirée. Belle petite soirée de merde, on peut le dire. Oh putain, belle petite soirée. On peut le dire. Centrale pour l'IDOP. Transplay. On vient déposer l'argent à la personne qui ira déposer l'argent directement au preneur de poste. Personne qui aura posé l'argent, qui aura posé l'argent, qui aura posé l'argent. Bon, allez, je... La pause se passe bien. Non, pas trop, tu. C'est vous qui êtes dessus en plus, je crois. Il y a des trucs que je comprends pas en fait. Mais bon, après, ouais. Sur la fenêtre là. Et sur la fenêtre, je les ai vus. Ouais. C'était deux otages hein, qui étaient à la fenêtre. Ouais. Allez, hop, il y en a un. C'est un otage ça. La fille. Cobraline pour transmettez Cobraline. Du coup, on a perdu Follet, il a été certainement battu, il y a du sang qui était présent au capteur, ainsi que l'avion sur zone a disparu. Mmh. Vous pouvez réitérer s'il vous plaît, je vous entends très mal. Nous on fait notre petit barbe tranquille. C'est les mecs à tirer à ça. Du coup, de doc, je commence à m'avancer dans la zone pour donner les signaux. Oh, parce que là, je comprends pas trop. Attends, on a Follet qui s'est fait abattu. Je peux avancer, hein. Il s'est fait abattu. Il s'est fait abattre comment okay. Follet, non, mais je pense que c'est l'hélico qui a. Enfin, l'avion qui a pété. Sûr. Et pourquoi? C'est quoi? Ah oui, c'est l'avion qui a explosé. Follet est mort. Eh oui, c'est sûr. Sierra pour l'IDP. Transmettez Sierra. Je pense qu'on a plus de chances que ce soit l'avion qui a pété qui se soit fait abattre par des balles. Si l'avion a disparu aussi, ouais. La rançon de l'est. Mais pourquoi ils sont allés là-bas voir l'avion? J'avance dans la zone et pourquoi qu'ils s'épurent, j'arrive avec un blindé médical. Toi, tu sais pas parce que t'étais pas là, t'étais occupé par le travail. Ouais. Mais en fait, eux, ils prennent l'hélico qu'il y a là actuellement, ils se posent à la mine de sel, ils libèrent les otages, et ils prennent l'avion, ils se barrent avec l'avion. Ah, ils libèrent les otages à la mine de sel. Ouais. Ah. C'est pour là, ça donc que... là, ils prennent l'argent là.
Ouais. Il se casse avec les otages. Il se casse avec les otages. Bah ouais, mais non. Et normalement, il se casse avec les otages et un flic, normalement. Si tout se passe bien. Si tout se passe comme d'habitude. Et il me semble qu'on n'a pas forcément le droit de faire ça. Bah non. On est d'accord. Bah ouais. Quand la rançon est donnée, il faut que tu rentres la totalité. Exactement. Écrit noir sur blanc dans le règlement. C'est ça. Dans les fameuses lois de Lille. Ah, les fameuses lois de Lille. Lois de Lille. Allez, Bibi. Écoute. Est-ce que tu passes une meilleure vie? Est-ce que tu vis ta meilleure vie actuellement? Ah, bon. J'aime bien les arbres, j'aime bien la nature, mais là, franchement. Faut combien de balles dans le rotor? Dans celui-là, tu mets une balle et c'est réglé. Hein. T'as quand même 200? Bof, bof. Hein. Une devrait terminer. Hein. C'est plutôt de travers pour tuer le pilote. Tu vois? Ah mais sachant qu'il est en place droite, le pilote. Hein, bah, sachant que le M200 il fait pas beaucoup de dégâts, c'est pas un antimatériel. Autant que tu valises le... Moi je valise le pilote d'entrée dure en fait. Ouais, non mais au pire c'est après il y a ces pecs qui sont avec les lynx. Lidopé pour Syrah. Transmet. Vous avez un visu sur l'hélicoptère qui est posé ouais. Sur la zone de l'eau. Affirmatif. Vous pouvez mettre un point précis, s'il vous plaît. On occupe. Ici, normalement. Je fais les checks. Hein. Non, il est là. Pas du tout. Voilà, du coup. Encore un peu. Exactement ici. Et là, il coupe. On met sur car. Bien pris, merci. Où c'est toi? Pour vélo. Ah, ils sont là. Top pour Ivar. Il y a 4 otages, donc ouais, il faut vous en déposer un. Il faudrait qu'il y ait au moins un de vous qui aille récupérer un autre véhicule pour pouvoir les récupérer tous. Ah, donc ils vont pas se barrer avec les otages. Bien pris, on va arriver à aller au plus proche à Neo-Shore, vous dispersez dans deux véhicules différents. Il y en a un qui se met solo dans un véhicule. Afi de Belchi, je vais mettre dans un véhicule solo. Ça, comme ça, on met deux otages dans le blindé, deux otages dans l'autre. Vous déposez les deux premiers, je récupère les deux secondes. Ouais, putain, faut que quand je suis plus sur l'île, faut que je demande à ce qu'on me mette ma licence pilote. Elle est pas apparue encore. Il y a un Pax qui est en face de Whisky. L'hélicoptère, normalement, il est pile poil à 1900. Ah ouais, je te dis ça. La place du pilote, elle est exactement à 1878. Exactement la place du pilote. La place droite, hein, le pilote. 1878. Par un essai. Diablo pour Strider Medical, yes. Transmet. Il y a. Le gars du lien de forum était sur TS. Il demandait pourquoi il était bon. J'ai les deux premiers qui vont être déposés au second Strider. Et une fois que j'ai les deux premiers, je retourne chercher les deux autres. Ok. Il y a combien d'otages en tout? Il y en a 4. De quoi? Le mec qui. Dès que t'as libéré les deux demi en sécurité et deux premiers otages, c'est pas le doc qui l'a envoyé, le mec. Il a pris, là je suis en train de faire un taxi pour te le. Tu l'envoies? Hein?
Ah non, mais moi j'ouvre pas, mais c'est quoi le jeu? En gros, c'est une présentation de famille. Logiquement, Steven s'échange avec les otages, donc attention. Bonjour, la Mercenary Society se présente comme un groupe de mercenaires. Ouais. En gros, c'est une présentation de famille classique avec des. Avec des noms de mecs du serveur. Avec une tenue et tout, une bannière. Deux toujours. Donc là, je dépose à mon point relais et à mon point relais, je retourne direct. Pour ça, là, mes deux unités se sont dispersées en deux escouades différentes. À la limite, c'est le mec qui avait posté sa présentation. Donc, point et barre. Tu la mettras pour ça. Le second strider est prêt à extraire mes deux otages. Affirmatif, là on arrive sur zone, on va bientôt arriver à Bon, si je dois péter, c'est maintenant. Hein. Bien pris, dès qu'on se croise, je vous donne les deux otages, vous les mettez en zone sûre, et voilà. De Sierra pour Nego, est-ce qu'on abat le Echo, quoi? Nec, tu leur seras leur otage, donc si vous voulez perdre le commandement. Ah. Je vais embarquer Stivers. Ouais, on va faire comme la dernière. Oh, putain, mais ils ont menotté Stivers, les gars. Transmet. Remarque, il y a toutes les unités lac de sel. Hein. Stivers menotté. Tu vas les poser surtout au Strider. Bah non, il y a le Strider derrière. Je vais te poser au Strider. Tu restes proche de ton Strider par contre, mais tu vas retourner à la BA avec les deux. Diable contact Cobra en main pour leur dire de se préparer de se cacher pour Asmat. La rançon elle a été donnée là? Allez, deux escouades Viper vont retourner à la BA, je vais récupérer les deux autres une fois que les deux autres sont extraits. A tous de DD? Voilà, transmets DD. L'argent a été donné? Ah, fi, il reste encore deux otages à extraire et du coup le nouvel otage est Stivers. Et ils veulent quoi pour Stivers? Pouvoir s'en aller, je crois, c'est juste ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils seront partis, nous lâcherons Stivers plus loin. Surtout en train de partir là, pas normal. On va rien tenter, hein, il y a Stivers en otage. Ah bah là c'est sûr. Hein. Pour toutes les escouades, on va faire un changement court porté au cas où ils ont pris la radio de Stivers. J'ai pas entendu, monsieur, répéter. Abonné. Vous voulez pas avoir de L4, c'est ça? D'accord. Je transmets comme quoi vous voulez pas voir de L4. Sinon je suis mort, d'accord. Ok, ils sont même morts. Donc aux unités, les ravisseurs ne peuvent pas le voir de un seul L4, sinon je suis mort. Mais c'est Stivers, c'est même tard que s'il y a encore un otage avec toi. Il y en a deux là avec lui. Il y a encore deux otages avec lui là? Ouais, mais là je vais les récupérer là. Dans quelques instants ils seront plus avec lui. Si là il sera les otages. Il a décollé Stivers pour. Lead OP pour lead comment? Pour information, l'otage est devenu votre commandant Stivers, donc ne vous faites pas spot, sinon il est mort. C'est bien pris, Cobra Lead. Ah, je vais free, c'est normal. Des informations à chercher que Whisky leur donne. Ouais. Début de transmettre. Ouais. Je donne l'ordre ou pas d'abattre les ravisseurs une fois qu'ils sortent de leur île. Ah oui, la fille. Affirmative de sien. Bon reçu. Du coup, Cobra Lead, vous me recevez? Vous ne pourrez demander une rançon que sur deux otages. Cobra Lead. Urgent. Le prix sera négocié directement dans la France. C'est ce que j'étais en train de dire. Si une fois que l'hélico sera posé, ils vont sortir. Vous abattez tous les preneurs d'otage. C'est reçu. Faites bien sûr gaffe au commandant. Alors,
Lors des prises d'otages, le négociant ne peut pas être pris en otage avec son pilote ou la personne désignée pour l'escorter. Affirmatif. Ils enfreignent deux règles. La dernière fois, ils l'ont fait aussi. Parce que là, ils enfreignent. Attends, une règle. Deux règles. Ok, deux règles. Moi j'irai les voir après. Il y a deux règles. Bonsoir, salut, c'est Dorian là. Comment ça va? Bienvenue. Le mec, Ouais, ils font n'importe quoi là. Ah, Gizmo il est où? C'est comme il y a aussi le mec de tout à l'heure là. Qui parlait TS ou quoi, qui voulait TS. Gizmo Evil, s'appelle. Oh putain, il l'emmène au-dessus de l'île. Il l'emmène à la deuxième zone. Au-dessus de l'île ? Ils se sont fait spot, c'est pour. Oh putain. Quelle direction hein? Direction pas gouvernementale. Pour information, les suspects vont se retrancher sur le l'aéroport de Molos. Ah, direction Molos, oui. Affirmatif. Et de nous check un petit sommet qui peut être intéressant. Des tirs de TE. Alors ça dit quoi? Bah y'a le PO. Position 16. Position 16. Non mais en soi c'est pas forcément un otage. Bah si, c'est un otage Tiverse. Ils ont pris les négociateurs en otage. Et ceux qui font, ils ont... Alors ça peut servir à tout le monde. Il y a un règlement les gars. Dans le règlement c'est bien marqué qu'une fois que t'as la rançon, tu dois laisser les otages et que le négociateur ne peut pas être pris en otage. Ouais, mais il y a un avion. Ils vont sortir un avion pour partir. Pour l'instant, cachez-vous là. Putain, ils vont sortir un avion, ils vont nous baiser. Et comme ça, dès qu'ils décollent, vous allez monter l'avion. C'est bien de créer du jeu, les gars. C'est super bien, mais. Respecter les règles, c'est mieux. Hein? Bon, c'est le Gizmo Evil, c'est le topic. Vous pouvez abattre l'avion CPA, le commandant est safe. Fatigant. T'as aucune info, on vit de son plan. Abattez tout le monde! Oh, pourtant, ça parle mal, ça parle mal. Ouais, ça parle mal. Hein. Énerve. Tiens, c'est un jeu, les mecs. Qui c'est qui parle comme ça hein? C'était Kanamo et tout à l'heure c'était Scott. Pas tout à l'heure, mais quand il a crié sur un brigadier, mais j'ai halluciné. J'ai été le voir, j'ai fait bon, on t'entend toute la BK parle correctement, non? Kanamo pour Whisky. Allez. Est-ce que tu nous autorises de prendre un L4 pour aller décéper un peu? Ah si, allez. Je comprends, faut que tu sortes des L4 en décolle. C'est pas que j'ai pas la bonne rade, mais ma rade elle marche plus là. Vous confirmez que l'avion est parti? Ah si, l'avion est décollé. Deux PAX, uniquement deux PAX. C'était lui le PAX, l'avion? Non, c'est l'hélico. Et il est en vol. Qui a d'autres L4? Allo, vas-y, on va prendre un 4, on va prendre un Gosco. Ouais, Gosco, ça va plus vite.
Est-ce que Ghosto qu'on peut se mettre un gunner? Non. C'est ça le problème. Y'a des. Genre y'a plus de munitions dans le Ghosto? Non. Ah non, sinon c'est OP. Il est où le. Il est là. Un L4 ODD. Ouais. Surtout pas de collision entre avions, entre hélicoptères. Je vois pas les deux. Primo et Second Dawn, n'essayez pas de jouer la vitesse avec les avions et vous vous mangez. Donc essayez de jouer stratégique, regardez les déplacements des collègues vers où ils se dirigent. Et de vous mettre, vous positionner en avance, les gars. Rassurez-moi, vous avez pris les identités de l'hélicoptère? Négatif, pas encore. Mais je suis pas derrière moi, on va prendre un mini-bird. Pas de mini-bird, on va vous sortir tel 4, les gars. Ouais, mais c'est plus vite un mini-bird. Qui a dit que c'était un mini-bird plus vite qu'un L4? Bah, les. J'ai un L4 si jamais. Ah, pour les tireurs, vous allez vous mettre. Pétez les couilles ce soir avec vos questions, je vous promets que vous êtes en train de péter les couilles tous. Oh, pas les mieux, les gars. Je suis allé pour toutes les étés qui prennent un dragon, ça sert strictement à rien pour un peu. Mais non, mon secours, ça en fait pas de plus, c'est mort. Salut. Allez, c'est le nook ça. Il est parti vers où l'avion? Bah. On a vu faire si clean. Et il est parti direction. Tu vois les CPA tout au nord là? Ouais. Par là-bas. Ouais, j'ai prévenu qu'on était déjà en PO. Hein. Qui? Bah là, encore une prise d'otage là. Ça peut pas être partout. Hein. Non. Hugo, j'ai dit ça. Oh là. Je vais long ou pas? Affirmatif. On vous dit que ça sert à rien de sortir des dragons parce que l'avion va à du 600 km/h et nous on va que à du 300, ça sert à rien les gars. Si tu veux dans l'L4, dans l'L4 tu verses. Vous avez reçu la com de Diablo? Dans l'L4 il y a une arme. L'IDOP pour des... Ouais. Dopé pour Syrah. Transmet. J'ai besoin que vous alliez sur une piste d'aérodrome, zone 3 à Berry. Info sur l'avion. On a perdu l'avion, ça sert à rien de prendre ça. Tous les hélicos. Hein. Zone 3 à Berry. Il y a beaucoup de trucs pour nous. C'est où la zone 3? L'avion qu'ils ont, il va à 425. Oula, là où la PO, direction la PO. Ça aussi. Direction la PO? Pour information, Dédé, on fait la nouvelle prise d'otage ou... Négatif, on finit ça là. Elle est où ta zone sur carte là? Coup plan à finir, c'est on se met tous sur des aérodromes, on essaie de faire une petite lama pour trouver l'avion. L'avion va sûrement se poser sur soit mine de sel, se reposer là où on était, où il a décollé, ou soit sur l'aéroport de Zaros. Balance pas con. Kilomètre. Ok, l'IDOP pour Syrah. Du coup, vous êtes assigné à la zone 3 à Vérif. Bien pris. J'ai reçu. L'IDOP pour Cobra. Les zones entourées en rouge sont les zones probables d'atterrissage. L'IDOP pour Cobra Lead. Transmettez de Cobra.
il faut un de vos dragons qui se remet à la zone dérive 2, là où il a décollé. Ça me m'étonnerait pas qu'il aille là-bas. On a qui en hélicoptère, Dave? Vous avez un hélicoptère avec ton escorte, le brave? Ils en ont mis un. Est-ce que les mecs ils avaient des parachutes? Est-ce que vous avez un L4? On va te dire que oui. Ouais, non, okay. Est-ce qu'ils avaient des parachutes? Idopé pour Calamon. J'ai reçu le gros avant. T'as pas la bonne langue. Idopé pour Cobrali. Il me faut. Il m'en faut un sur Molos, un sur la mine de sel, s'il vous plaît. Et un dans les zones rouges. De Mark. Cobra 2, vous aurez un L4 aussi? Bon, on est en ligne. Voilà. Et après, donc Cobra 2, vous allez vous diriger sur Molos. Cobra pour. Transmet. Il serait possible d'aller checker en tout cas, voilà, c'est une zone assez claire par rapport à l'avion. Au sud, vraiment au sud-sud de Kava. Ça dépend le nombre d'alquettes que j'ai. Cobra 3, si vous me recevez. Cobra 8 pour Cobra 3. Ouais, un petit peu, ouais. Pas besoin, non? Cobra 3, écoute. Moi, je dis, j'ai pas trop la forme. Vous allez vous diriger au niveau de Ferres, donc à l'est de la prison. Idopé pour Cobra Lid. Allez me faire un check par Kavala. Super. On se mettait central. C'est un RAS. Ah, ça se peut, ouais. Apparemment, les deux F4 se dirigeraient vers Sofia. Info de la sécurité civile. Pour l'instant, on est occupé sur l'avion, donc je m'en fous des F4. Si un dragon voit la moindre signe d'avion, il prévient directement le lead de PNR. Pas de format pilote et pas d'escalier. Alors? Rien? Rien. C'est où qu'il y a un autre aérodrome encore? Chaque centimètre de la carte est aidé pour essayer de trouver.
à tous de DD. Direction bijoutier, c'est bon, on lâche l'avion, on l'a perdu. Donc, pour Cyril, nous faudrions Sofia et Mine de Sel. Direction BA, vous avez bijoutier. Sans phare, on se dirige sur bijoutier, on demande d'autres appuis. On peut pas tirer les dés. Vous pouvez pas tirer de derrière? Ah oh, putain, je crois qu'il y a une porte, moi. Négatif. Putain. Est-ce que c'est pas autorisé les munitions dans le dos? Non, c'est cheaté, gros. J'en fais une mètre. Ok, à toutes les unités, j'ai de cirage, le véhicule, les braqueurs sont en position. Putain. Il y a beaucoup de véhicules. Il y a pris de cobra dans énormément de véhicules. Gros, beaucoup de véhicules, je compte en tout 6 véhicules. Je transmets en longue 6 véhicules noirs. Pour cobra le portpool, du coup, tout le monde peut. Je vais pas te poser sur le toit. Dans le propos. Les DE. Un 6 packs déjà sur zone. Routier et encore 3 packs autour en VL qui tournent. 3 VL packs qui tournent. Ça va être une quinzaine. Il n'y a pas de tireur. Non. Lui, il n'a pas de tireur par contre. Non. Ok, c'est bon. Allez, on bouge. Il y a des collègues sur place. Comment naturel, mais non. Il y a de la marge. T'inquiète, il y a de la marge. T'inquiète. Ouais. Pour éviter le problème avec notre attaque, tu peux me filer la tienne et en prendre une en rapido, ce que t'en penses pas de. A priori, ils auront un otage Marshall. Affirmative, nombreux véhicules, on se dépêche s'il vous plaît. Ça va faire de la merde. Ils font quoi la bière déjà? Pas. Allez, la BA, on se bouge, les gars, là. Affirmative de Mitchell, on a deux otages confirmés. Pourquoi sur zone, hein? Il y aurait des... Il y a des personnels qui seraient en position sur les fours armés. Et il y a des personnels qui rush, seraient là. Derrière le bijoutier dans les buissons. Oh, putain, ils rushent. Ils rushent dans le tas. Mais ils sont... Qui? Ah, mais ça, ils rushent dans le tas et tout. CPA, vous avez un L4 sous position également. Il est où? Au-dessus du bijoutier. Un L4 noir. L4 noir. Ok, apparemment c'est les otages sont libérés. Il faut prendre part tout de suite. Ah bah c'est parti. Je vais prendre des trucs, c'est possible. Et là, on reste au choc. Négatif, ils auraient toujours un otage sur zone. Possible, ils viennent de libérer la zone. Les deux mecs d'OGS, ils sont libres. Il était beau, toi. Ils auraient un otage Marshall encore. Je sais, parce qu'il a eu besoin de voir un psychologue, tu sais, j'aurais. Je conduis ce DD. Ah, vas-y, oui. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Dans la BA, là, avec son véhicule. Des infos sur zone, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi rentrer. Oh, rien à faire là.
A priori, plusieurs fax au niveau du bijoutier, dans la tour armée, ça serait pris aussi. De plus, d'accord, il y aurait un otage Marshall qui serait dans la tour armée. D'accord, pour suivre nos yeux. Escort. J'ai plus de TE, j'ai plus rien. Dans l'action. Ah, si, véhicule noir. Ici, sur votre position maintenant. J'arrive sur vous. Personne ne m'a mis à l'autre. Salut, Maki, bienvenue à toi. Merci d'avoir follow la chaîne. Tu peux nous retrouver sur Discord pour avoir les notifications en direct aussi également. Merci bien. Et bienvenue. Deux groupes. Deux groupes, s'il faut engager. Il faut faire sur les bandits, ils ont un otage et ils sont moins. Quoi ce message? C'est quoi le message là? Pour tous, on a assez pas qui s'est crash. Sur nous. Mais c'est où? C'est où? Ah, les gaz à gauche. Ça noir sans nous. Oui. Ah, quoi se passer là? Embarque le au pire. Il a embarqué, fais gaffe, il a encore son GPS. C'est quoi? C'est un des. C'est un des preneurs de. Pi, preneurs d'otage. Ok, attention, vous allez vous faire prendre des hauts, les gars, de la colline. Lanka. Dog pour tous, PMABA, ils sont déjà sur place. Juste en face des dés, il y a un véhicule. Ouais, bah, occupez-vous-en. Qu'est-ce qui se passe sur vous? Ah, faut sur les shoots, mâche. Non, négatif, allez-y, foncez les gars. Je veux que ça bouge. Je pense qu'il était encore sur. Je pense qu'il y a. Kanamo pour médecin. Répondez pour Doc. Demande de PMA. Elle est déjà faite, j'ai dit, allez sur la BA, les gars. Okay. Oh, si, excuse-moi. Ok, y'a un. Il faut les points packs, messieurs. Juste en face, concentrez-vous, points packs mi, et comme ça on pourra vous aider. Comme ça ou ça? Mesh. Pour l'instant, les packs sont traités. Comment tu t'en passes? 70 derrière le bâtiment. On va juste monter en hauteur à gauche et tu vas voir, on aura un visu dessus. À droite, on va pas te faire. Qu'il y a des packs dans la tour de la carte. Oui. Alors, on va se placer juste devant. Là, juste là, la colline, là, nickel, là. Juste ici, hop. Hop là. Cobra pour Siren, vous met un point 4 juste à côté de vous, il y a une impact. Affirmatif, on l'a vu de Siren. Dans le bâtiment? Ah, c'est dans la pièce. Devant la BM, il y a un bâtiment, il est dedans. Un seul pax. Doc pour tous, là, il faut qu'on fasse quelque chose, là. On a. Ouais. Mettez-vous le Mako et vélo. De toute information, on a un sniper sur la tour. Au pire, attendez, descendez les deux là. Les deux. Oh, non. Vas-y, remonte. Putain, je me fais encore tuer par un collègue à moi. Ah, bouge, cache-toi. Bébé, il vient de mettre un bouclier devant moi, Bibi. Attends, il se passe quoi là? Il est décédé comment? Il a pris une tête. Une tête? Cache-toi plus loin, vélo. Hein? Où? De où? Bon. Je t'ai à l'abri, vélo. On revient après. Putain, il faut qu'on. J'ai encore fait des. Putain, mais c'est pas possible. Oh. Dans quel tour t'es allé, s'il vous plaît? Je vais péter un plomb, toi. Non, de réserver le bac. T'as fait 3 fois, je me prends un shoot de mes collègues. Affiche, combat des zones, comment? Y'a deux packs neutralisés dans la maison? Affiche, ils sont neutralisés. Sierra, vous allez bien? Ouais, c'est mes collègues qui m'ont fait. Ah non, il devrait frapper là. De Sierra, y'a bien un pack tour. Il devrait frapper. Sierra, y'a bien un pack tour armé ou pas? Ah si, il va se mettre, on l'a battu. On va essayer de la pile. Sur le colonel, j'ai des communs. Putain, là, je suis plein, moi, de. Ah, sur la BA, ils sont sur la BA! Ils sont sur la BA! Ouais. Vas-y, monte-les dans les. Ok, vas-y. On se met dans le 4.
Je l'emmène quoi centre médical CQCV PMA, PMA c'est possible. Je mets une saline et je viens d'abord. Prends des shoots, Bibi. C'est n'importe quoi. PMA, elle est BA, hein, et PA, et BA, elle se fait attaquer, il me semble. N'importe. Les mecs dans les BA, vous me recevez? Je peux vous poser le colonel pour qu'il se fasse soigner? Négatif, on se fait attaquer dans la BA. Et on a aussi les deux sécu dans la BA. Comprends rien. C'est bon qu'on clean la BA, les gars. Alors, on a 3 personnes de commande dans la BA. On vient de contacter une autre sécu civile en dehors ou pas? Je sais pas. Essayez de vous soigner. Ah, c'est bon, vous êtes stable. Pour information, toute la sécurité civile est à la VA. Donc, je suis bloqué là-bas. Ok, il y en a pas un qui peut aller vers le portail de l'arrière de la sécu en extrait là, pour aller soigner le colonel. Ah, ils sont à l'intérieur déjà, les mecs. C'est tous bloqués en fait là. De Cobra 3, je suis en hélicoptère, je peux extraire les gens à la VA. Ça donne quoi là sur la BA? On a 3 collègues à l'intérieur. Ah mais si c'est AV, est-ce que c'est clean, est-ce que c'est pas clean? Je vais essayer de me poser, on verra. Vas-y, ouvre les barrières, de toute façon s'ils sont à l'intérieur, ouvrez les barrières. L4, posez-vous pour soigner le colonel. Y'a un câble le débarque, Kanamo. Kanamo, s'il te plaît. Marquez-moi le colonel, s'il vous plaît. Bon, décolle, décolle. Colonel, débarque. Vas-y, décolle. VL devant la merde. Peter. Vous avez bien le chef, embarque-moi. Dave, tu reçois? Tu peux emmener Jason, Bear. Vous avez besoin d'aide ou pas monsieur? Ramsey et comment? On a un blessé aussi sur nous. Sur qui? Gucci, tu vas bien? Venez, mettez-moi les gens. Tu veux que je te récupère L4? Ok, il devrait du temps. C'est possible. Attention, ça arrive encore, ça arrive encore. Ciao. Bloquez pas. Belloc, t'es toujours là-bas? Dédé, t'es sur pied? Est-ce que le colonel Dédé a été réanimé? Super, merci, Capitaine. Doc pour Bello. Cube de lui. Ok, bon. Je pense que là, je vais devoir. Je suis fatigué de ces conneries. Je vois là-bas, du coup, ce qu'il y avait. Oh, cette fatigue! Oh là là, ça fatigue. C'est là qu'on voit que les mecs qui commandent en fait, il y a un problème. Sur le type de véhicule PAX qui reste. Ah, c'est stabilisé, il est stabilisé déjà. J'ai fait une opération kamikaze pour vous dire. Oui, pas de soucis. Hop, je vous laisse vous occuper de vous maintenant. Mélo, tu m'en sors? J'ai encore des T'as encore envie? T'as la manie de passer devant les lignes de feu de tes gars aussi. Ah non, les gars ils sont à droite, pas à gauche. Il y en avait deux là-bas, on a pas pu les rater. On a, oui, une M4 grise ou M5. Hey Monster, bienvenue à toi. Est-ce que le colonel DD a été réanimé? Il me semble que oui. Pas encore. T'es réel, moi j'ai vu 4 véhicules sur la main, mais il me semble pas que ce soit des packs. Oui, non, mais t'es 14 quoi. T'es une MK. Si, par contre, soigne le collègue. Merci peu le collègue, merci peu le collègue. Comment ça y aller, mec? C'est qui là avec moi? Ok, reçu. On prend EVL Pax, pardon. Allez, vas-y, je viens avec vous. Attends, laisse-moi passer.
Attends, j'en ai vous, Non, non, on est déjà 3, on est déjà 3. Code info sur toi. On est full, Kyle. Roule. J'ai un L4 sur ma position. T'as personne, Kyle, pour sortir de véhicule. Bah non, je sors à deux, je sors rien. Monte avec nous, Je suis tout seul, j'ai pas véhicule, j'ai l'escalade. T'es plus avec Kyle, quoi. Kyle, monte par le véhicule. Il va venir avec toi, Kyle. T'as reçu? Ah ouais, c'est bon, je vais avec Radio. Info sur Scott, s'il vous plaît. Oh, tes papiers. Mathieu. On le ramasse sur dans la PL, je vais le mettre. Tu sors dans un poste arrière. J'avais le problème arrière. Vas-y, retourne-toi. Négatif de sir. Droite. J'ai pris, étant donné que mon dragon était. J'ai touché, je veux un autre dragon avec une dernière, s'il vous plaît. Alex, Alex. Et du quoi? Après, je le. Va mort lui. Diable pour Belogie. Heureusement hein, parce que sinon c'est le bordel hein. T'imagines si je serais plus là? Ouais, ça reste plus. Centrale, info sur zone avec les deux. Bah là c'est le zoo hein. Là je suis plus là, c'est le zoo. Là, je vais finir en CPA et je vais lead tout le temps parce que là c'est un peu le bordel. Là en fait je vais réorganiser la police, je vais voir ça avec, avec Jackson. Pas d'info. Mais là des formations à ce niveau là c'est ça sert plus à rien en fait. Là je vais. J'ai tout réorganisé. Je vais tout péter et je vais tout mélanger. Un cobra, un CPA, un cobra, un CPA, un cobra, un CPA. Ramsey pour toutes les unités, est-ce que le PE est traité ou pas? Je vous écoute, monsieur. Bonjour, Elias. Bon, on connaît. Mais y'a comment là, sérieusement? Mais attends, c'est qui parle? Médecin, 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 médecin. 22, test. Qu'est-ce que tu fais là, toi aussi? Ah, waouh. Bah, juste là, dans le box, dans le box, dans le box. Sérieusement, qui c'est? Personne qui s'est occupé de lui? Et quoi? Touchez pas, attendez. C'est moi faire. J'espère que je vais crever. Vous envoyez un message. Et il a un pouls, donc là, laissez-le remonter tranquillement. Okay. Mais il a une bonne tension, je mets un coup de défi pour le réveiller. Ouais, un coup d'épinéphrine, ça fait. Non, je mets un coup de défi. C'est un problème qui arrive de temps en temps, ça. Il va se réveiller pas. Alors, en gros, il sera maintenu à vie, mais ça servira. Là, il faut faire un double coup de Ouais, voilà, c'est bon. Le tir, on prend des shoots. C'est le test là, 62. Ah, bonjour, ah, bah quand même. Vous êtes du racisme. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Non, ce qui s'est passé, à part que mes hommes, c'est des minables. Des véhicules sur route principale, qu'on était. D'accord. Tu veux votre nom au moins, monsieur? Non. Si je te donne mon nom, je suis obligé de. Donne-moi votre. Ton nom, ça peut être comme ça? Je m'appelle Billie Jean. Ok. Jack Murphy. Ah, c'est lui qui avait dit? Hop là. Oh, est-ce que vous avez une Red Bull sur vous, monsieur? Oui. Je vais t'en pour une. Je vais faire son procès verbal de garde à vue. Je vais m'occuper de lui. Hop là. Sira, vous me recevez? Dave et Ram sur mon chat. Ah, tous les Sira de DD là. C'est un ancien flic, t'es en plus, non? Sira, est-ce que vous êtes comment? Voilà, vous allez te rejoindre. Ils ont peut-être des Sira en position. J'ai au moins 6 packs pillant des heures qui sont près de votre petite. Ouais, bien méchant. Allez, on bouge, c'est un bagnole. C'est pas la même. C'est pas la même. Essayez de vous relever doucement, monsieur. Des vertus, des douleurs, monsieur. C'est vous qui avez été pendant un test, c'est bon? Au niveau de la voiture
des vertiges, des douleurs ou autre. Non, nickel. Allez, merci. Ouais. Il y a un bras, je t'avais pas la main, je vais demander là-dessus. Allez, on bouge, on prend une voiture, on se casse. Prends-le-moi. Tiens, vous avez pas de bagnole là? Je fous toujours les packs des airs. T'es occupé là ou quoi? Annulé comme. Les packs des airs apparaissent quoi? Ma c'est ça, shoot hein. Ah bah super, on aurait pu les abattre, on va mourir maintenant, super. Il y en a qui montent avec moi là dans la BA là. Je suis ça percute là. Allez, bougez-vous le cul là, vous allez sur Syrah. Besoin d'aide sur Dave. Faut que tu mettes, Valise. J'ai on en est... J'ai BM noir avec 3 packs sur le bijoutier. Aussi. Code noir encore sur eux, c'est les mêmes? Ah si, non c'est pas les mêmes mais code noir. Ah d'accord. Ils ont essayé de récupérer ce qu'il y avait dans les véhicules et après ils ont nous autres. Bon bah vous défoncez tout. Et la fille tout à l'heure, je crois. Dylan, reviens sur la position. Ah t'as une trousse? Non, on m'a chouré mon sac. Donc. Ah, c'était dans le véhicule. Vous sérieux, les gars? Ah merde. Pas une trousse aidée? Tu rigoles, toi? Pas une trousse? Ah bah si, j'en ai une. Putain, les gars, putain. Ah bah, moi, ce putain d'Elcac là. Qu'est-ce qu'il faut en fait? Ah bah, t'es moi ce putain d'Elcac en stat là! Voilà, c'est pas. Putain, c'est pas compliqué de faire ça là. C'est un F4 là. Sérieux? Suis-moi Kyle, suis-moi Kyle. Battre les packs sur le bijoutier là, c'est possible. De RAM, c'est, si vous voyez une BM M4 noire, c'est les mêmes packs que dans l'hélicoptère donc abattez. Allez on bouge. De RAM, c'est besoin d'extraction d'argent. Allez on bouge. Reviens sur nous RAM, c'est derrière. Comment? Demandez là. Ivar, j'ai besoin d'une extraction. Tac, je change un ticket. Putain. C'est bon. Je suis dans la voiture. En plus. L4 abattu, L4 abattu. Reçu, allez, on se concentre sur les packs bijoutiers. Il a abattu à moitié, il a le rotor arrière exposé. Ok, vu. Ok, tire un remorque sur L4. Vu quoi? Où? Allez, il nous fera plus chier. Allez, on bouge. Ouais, de toute façon, il faut le laisser galérer. Avec Ivar de Leblanc. T'es où, Ivar? Ça va? Comment tout le monde est dedans? C'est compliqué, je peux pas réparer le véhicule et je suis bloqué sur une. Information sur bijoutier, on s'en fout de vos cuisines, les gars là. Information sur bijoutier. Sur bijoutier, vous arrivez pile sur les packs s'ils sont occupés à nous tirer dessus. En... Il y a la pied, je pense qu'il est. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Pour que le téléchante par ses. BM noir s'enfuit. Ah, on avance, on avance. Ivar, je viens sur toi de le blanc. La BM se dirige sur l'unité Dave. Ballon. Information bijoutier. Poursuit une BM M4 noire direction. Info Joker. Ouais. Il est mort, on le termine celui-là. Tiens, ça c'est pour tout.
passerai le bonjour à tes collègues en enfer. Allons, bouge. La zone blanche que t'entoure, il y a quoi dedans? Il y avait les packs avec la M4 noire, mais ils sont partis dans des suites direction. Vous avez toujours le bracelet qui vous tourne autour. Ah, fils, c'est un costock. Je suis sur vous, Dave. Info des shoots à l'instant. C'est sur l'aile qui lui orca. Putain, je vais le défoncer lui. Ok, on fait de la mise au bijoutier. Le Sierra, véhicule gris, est-ce que c'est Pax? Afi, c'est gris. Ouais, il y a un civil qui vient juste de sortir du véhicule. Ok, au niveau bijoutier, c'est clean. Position sur vous. On a récupéré les voitures. Check thermique de la zone. C'est quoi la Audi qui se casse de la tour là? Si elle est grise, c'est suivi. Elle grise devant. Juste à côté de nous là sur le cul. Se cache derrière une maison en fait. Ah, c'est bon, c'est un civil. Ah, fille civile, main sur la tête. Bon bah voilà, petit bordel à la fin quand même, hein. Entre les incrust fight et tout ça, bon bref, bon bah merci d'avoir tous été présents encore ce soir, merci beaucoup, ça me fait super plaisir comme d'habitude, du chat qui communique, qui s'échange, des... voilà, chacun ses idées, c'est très bien, moi ça me plaît, donc merci Granola, merci Chell, merci Lucky, merci Andrew, merci Trunks encore d'hier pour ton receveur, de... merci Gif de nous avoir follow, pardon. Merci Jerioïd, merci Maka Veli du 47. Merci à tous, bienvenue. N'oubliez pas Discord pour avoir les notifications du début de mes lives et de la mise en ligne des vidéos sur YouTube. Merci encore d'avoir été super nombreux ce soir. Si vous n'avez pas follow, n'hésitez pas à follow la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour voir les reviews et les gameplays que vous avez ratés ou que vous souhaitez revoir. Et Discord, très important pour jouer à d'autres jeux et les notifs. Merci à vous pour ce rendez-vous journalier 20h minuit à LF. Moi, je vous souhaite bonne nuit. Je vous dis à demain. Merci. Prenez soin de vous. Soyez encore nombreux demain. Ciao, ciao. Bisous la famille. À demain. Et voilà la famille, le streaming est maintenant terminé. Thank you.
Ouais, Gizmo. Ouais, ça va ou quoi? Bon, alors votre PO. Bah, Lopez, oui, mais Lopez, il est pas staff. Moi, bon, oui. Alors, est-ce que tu as lu le règlement par rapport à la PO? Non, c'est pas ça. Bah, attention, attends, papa. T'as mis noté le flic quand même, tu l'as embarqué de ton hélico après. Ah bah si, tu l'as. J'ai la vidéo, tu l'as meloté devant l'hélicoptère, Gizmo, me dis pas l'inverse. Vas-y.